outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs. Oh putain, il a neigé aujourd'hui. Eh ben, ça va peut-être calmer les braqueurs. Ça risque d'être compliqué les poursuites dans la neige. Il neige? Daniel, il neige, Daniel! Daniel, il neige! Il neige, Daniel! Daniel, il neige! T'es où, t'es où? Je suis à l'aéroport! Oh, je suis derrière toi, je suis derrière toi! T'es où, t'es où? Je suis derrière toi! Il neige, Daniel, c'est si beau! Pourquoi il neige? Je sais pas, c'est si beau! C'est trop bien! Oh, ça fait du bien! Je comprenais pas, je croyais que j'avais mal aux yeux! Waouh, il neige. Ok. Oula, je vais peut-être pas rester habillée comme ça. Mais ça fait 2 fois que tu l'oublies. Tu m'as parlé de lui il y a 5 minutes. Ah putain, c'est pas celui qui a les cheveux noirs, qui avec sa coupe de moulet là. Qui non, c'est pas lui, c'est celui qui a les cheveux blancs. Si, mais pourquoi il veut vous voir? Mais parce qu'il veut me tuer, pardi. Hey, mais pourquoi il veut vous tuer? Bah parce qu'il m'aime pas. Mais pourquoi il vous aime pas? Bah parce que je suis beaucoup trop intelligent pour lui. Si, c'est un bon argument. Voilà. Je crois que vous êtes dans la même cabine qu'une demoiselle, hein? Ah oui? Ah bonjour, monsieur! Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous n'êtes pas honte, monsieur? Oh, j'ai froid, putain! Hello, friend! Qu'est-ce que tu fais? Ah bah ouais, bah ouais, je crois que je vais crever tellement j'ai froid! Bah va t'habiller! Toi. Ouais, j'y vais! Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez encore des pulls Baguera? Hey! Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Béa, mon petit gars! Béa? Ouais! Ah mais attends, tu bosses avec le vieux Pichon, non? On est surtout amoureux, monsieur. Hey. Oui, et c'est juste pour savoir, du coup, je suis la seule personne qui vous en achète en ville, hein. Il vous en reste beaucoup? Que j'ai tendance souvent à les perdre. Et il est-ce que t'es allé voter? Non, j'emmerde le système. Ouais, je comprends. Oh là là, tu aurais pas de dire ça, tu vas avoir une leçon de morale. Ouais, mais voter n'est pas un droit, voter est un devoir, Ellie. Si. Oh non, je veux pas y aller. Ouais, je comprends, mais sinon on peut faire comme d'habitude, écoute, on vote pas et ensuite on se plaint de la personne qui a gagné. Ouais. Ça c'est démocratique. Et vous allez voter pour qui, monsieur? Hello, friend. Je vais voter pour vous. Ah, je me présente pas, monsieur. Je crois que le chien c'est très certainement le meilleur candidat de cette ville pour l'instant. Ah, moi j'ai voté pour le Yanche, ouais. Si, bah je vais voter aussi pour le Yanche. Oh. Oh, c'est fait! Oh! Kili! Ah, monsieur le Montazac! C'est Donatien de Montazac au téléphone! C'est Kili West à l'appareil! Comment allez-vous? Ben ça va et vous? Je venais au vigneron et je vous ai pas trouvé. Je viens d'aller voter. Ah, d'accord, ok. Je me doute de votre vote du coup? Bah oui, mais je sais bien que j'ai aucune chance face au chien, mais bon. Bah malheureusement, c'est un chien, effectivement, et il marque des points. Vous avez voté, vous, Kili? Oui, mais vous savez très bien pour qui, hein? Le chien, hein? Non, pour toi. Ah bonjour Bauer, attendez, je suis au téléphone. Bauer, veuillez voter pour moi, s'il vous plaît. Ah mais c'est déjà fait, mon cher Montazac. Ah merci Bauer. Pourquoi tu marches comme si tu t'étais pris un truc dans le cul, là? Parce que j'ai vraiment froid. Mais oui, mais c'est pas une raison. Bah allez. Comme ça. Si, j'ai froid. Bah allez, vous venez avec moi, on va voter pour commencer. Faisons notre travail de citoyen. Allez. Vous avez jamais fait d'éducation civique ou quoi, bordel de merde? Par contre, ce froid là pour mon pied beau et mon dos, c'est clairement pas l'idéal. Salut Béa! Oh, comment tu vas, mon petit GG? Ça va super, et toi? Je suis en train d'acheter. Je m'achetais une petite écharpe là, il fait froid. Ah bah ouais, tu sais où est-ce qu'on achète les écharpes? Parce que moi j'ai pas l'écharpe, mon GG. C'est à la boutique pour acheter casque et chapeau. Oh, c'est là où tu vas m'acheter mon bijou, GG? Ouais, plus tard, hein. Oh, tu me fais la surprise, hein, mon GG? Ouais. Et, il faut aller voter, t'as voté? Ah, j'ai voté pour le Yanche, GG. Ah, bah, le Yanche se présente, c'est vrai, ça? Ah ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, oh là là, on va voter pour lui, hein, monsieur. C'est pas une blague? Ah oui, monsieur. Puis il a le soutien du capitaine de police, monsieur, il m'a donné 10 000 balles pour avoir voté le Yanche. Eh ben... Mais tu sais quoi, là, je vais aux élections. Si t'entends pas parler de moi, c'est là que je suis en dernier. Ah, ok, mon petit GG. Bah, moi, je vais aller m'acheter une petite écharpe et je te rejoins, mon petit GG. Ça marche. À tout à l'heure, mon petit GG. À tout à l'heure, bien, salut. Allez. Et si on classe Vagos, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, rien du tout. Vous souriez, vous êtes content et vous êtes heureux de voter. Et votez le bien, qu'est-ce que t'es à la pièce? Écoutez, moi je vais être très clair. Pourquoi est-ce qu'on a voté pour le Yinch? Oh, c'est pas. Attends, attendez. Ta, toi là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là, oh là. Il y a. Là-bas, il y a. Oui, là-bas, il y a. Oh non. C'était tendu comme parti. Oh, j'adore ce me porc. Pourquoi il y a une dame, elle a le même sweat que moi? Arrête, Cox. Salut, Tripac. Ça va bien, ça va très très bien. Sarah, je crois qu'il y a un problème. Comment ça, un problème? Je viens de sortir de écoute-moi, écoute-moi bien, écoutez ce que je dis. Il y a quelqu'un qui a le même sweat que moi. Et je suis la seule dans cette ville à acheter des pulls Baguera. En effet, je viens de l'avoir passé, j'ai cru que c'était toi, mais je me suis dit, elle a changé de couleur. C'est pas moi. Et en plus, il était avec des gens que je connais un peu et je dois pas approcher. Et il marchait comme une vieille personne. Ah oui, non, bah, je la vois là, oui, elle est devant moi, elle rentre à la mairie. Essaie de parler avec elle pour voir sa voix. Je lui arrache son pull? Non, tu lui arraches pas son pull, t'essaies de discuter avec elle pour voir la voix qu'elle a. Si c'est bizarre, tu m'appelles. Maintenant, hein, je peux arracher des pulls, hein. Ok, j'arrive. Bobby, viens. Et ta troisième. Vas-y, vas-y, mon GG, vas-y, votez pour nous. Ah, alors il y a Henriette Delacroix, Basile Lombric, Donatien, Grégoire Maison, Marius. Je vote pour le moins pire, on se croirait dans une vraie élection, dis donc. Ouais, t'es comme moi, j'entends Tino, bien ce que tu dis là. Voilà, ça passe, on prend que les petits jeunes. Dis donc, y a-t-il une liste élargie avec le Yanche là? Vous savez que monsieur Cox et tout ça sont mis en prison aussi pour ce qui... Ah, ils ont été mis en prison? Eh oui. Oh, je viens de les croiser là, ils viennent de rentrer à l'intérieur. J'espère qu'ils vont voter pour moi. C'est sûr. Mais attendez, j'ai entendu hier qu'ils avaient enlevé monsieur Croûte. Non, j'ai eu monsieur Croûte et non, ils ont eu juste une discussion et ils l'ont laissé. Ouais, enfin, une discussion de force, mais ils l'ont laissé. Vraiment bizarre ça, hein. Oui. C'est vraiment très bizarre ça, hein, je les vois là-bas. Les coïncidences n'existent pas. Épisode 21, saison 7. Ouais. Oui, j'ai pas encore vu, je l'ai vu aussi moi. Je les vois là-bas. Bon, bah j'ai hâte de vous mettre en prison, monsieur Don. Quoi? Ah, ça se dit pas. Bah, ça se dit pas, ça se dit pas. C'est vrai, ça se dit pas. Qu'est-ce que. C'est quand est-ce que ce sera le. Bonjour les groupes. Le résultat? Bonjour. 21h15. 21h15, ouais. Les policiers, super. Bah, c'est bien. Est-ce que c'est vous qui produisez? Il va répondre. Déjà, stagiaire. Ouh là là. Ouh, j'aime pas cette histoire. Ah ouais, les bouteilles de prestige. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous, monsieur? Vous avez voté pour qui? Ah bah, ça se dit pas, monsieur. J'espère que vous avez voté pour lui, sinon c'est la merde. Ah bon? Alors on m'appelle. Allô monsieur. Bon. Oui. Va falloir qu'on discute un petit peu, j'ai l'impression, hein. Je suis bien d'accord, mais alors. Avant tout, il faut que je vous dise d'abord que Antoine il est un peu chamboulé. Et... Non mais ça je crois comprendre effectivement quand on tombe sur un pervers manipulateur. Oui, je pense effectivement que. Exactement. C'est surtout que pour tout vous dire, les gens l'ont un peu laissé pour compte et. Les peu de gens qui sont venus quand il a demandé de l'aide lui ont hurlé après. Donc disons qu'il est un peu remonté contre tout le monde. Et alors pas contre vous, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voulez m'expliquer ça, Daniel? Est-ce que vous voulez me rejoindre? Je vous suis en train de vous regarder en fait, là, je vous vois. Hein. Ah oui j'ai bien vu qu'Antoine a refusé de prendre mon appel. Hein. Ah oui, oui. Ah. Déjà on a voté, je pense qu'on a tous les voté pour vous, mais je suis pas sûre, mais bon. Qu'est-ce que... je suis pas sûre qu'il faille que je m'approche de vous, du coup, parce que là il est de mon côté, je préfère le garder de mon côté pour le moment, histoire qu'il soit jamais seul, vous voyez ce que je veux dire? Et les trois autres sont à l'intérieur, hein? Oui, je sais bien. J'ai appris pour hier, hein? Oui, bon bah... Et quand on m'a dit, non, c'était pas... C'est Antoine qui a dit ce n'était pas un enlèvement. Alors c'était clairement un enlèvement. Oui, mais Antoine dit qu'ils ont voulu parler. Je connais le docteur Cox. Et je sais qu'il peut retourner un petit peu la tête des gens, monsieur Cox. Oui, bah, c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai discuté avec lui. Et effectivement, il a mis en avant des arguments qui étaient un peu étranges, on va dire. Du genre non, mais je vais prendre une 4 fromages avec ça. Oui, merci beaucoup, au revoir. Commandez des pizzas ? Oui, j'ai commandé des pizzas. Oui. Votez pour le chien, au moins il est mignon, contrairement aux autres. Excusez-moi, Boyle. Oui, madame. On m'a reporté une affaire d'usurpation d'identité. Hein. Bon, Mariette, on donne tout là. Faut... Ah oui, attends, visiblement, vous auriez un pull qui est déjà porté. Ça pose problème. Oui. Ah, c'est H&M. Ah oui. C'est embêtant ça. Ah, c'est H&M. Bah, ça va pas du tout, hein, parce qu'on vous confond du coup. Hein. Faites attention parce que la personne qui porte ce pull d'habitude est recherchée par toute la ville. Et vous pensez qu'il y a eu usurpation d'identité là? Je pense que c'est louche, oui, elle est habillée exactement comme moi, cette tête de nœud là. Ouf, ah oui, mais calmez-vous quand même, soyez pas aussi virulente. Oui, non, mais ici, cette ville est dangereuse, madame. Moi, je sais maintenant les choses, c'est un traquenard, ça pue. Ne parlez pas, je sais pas quoi lui dire. C'est une usurpatrice. Bah oui, elle m'a dit pour remercier H&M, j'ai dit ah bah d'accord. Mais c'est pas H&M. Voilà, et mais tu sais quoi, c'est là, elle ment justement, c'est pour ça, je vous dis, depuis le début, je vous dis, c'est un pull Baguera. Je l'ai dit à tout le monde dans cette ville, que c'est un pull Baguera limitation, édition limitée des crabes. Si elle a dit c'est H&M, c'est une menteuse. Je lui dis quoi du coup? Bah elle est là, mademoiselle. Ouais, quoi? Non, va-t'en, je sais que tu fais des manigances. Où est-ce que vous avez trouvé votre pull, s'il vous plaît? Parce qu'a priori, c'est une édition limitée. Bah, je l'ai acheté à côté de la boutique du commissariat. Et par contre, reculez un petit peu si vous voulez. Menteuse. Oh là 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 là. Menteuse. Bah, ouais, on est vraiment en train de me taper un scandale parce que je suis jalouse. Ah bah oui, parce qu'a priori, ce pull-là, en fait, il est en édition limitée, vendu par Baguera de chez Crab, je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris. C'est qui ça? Oh, je sais pas, je connais pas. Et du coup, là, vous dites que vous l'avez acheté à H&M alors que c'est impossible. Dis-moi. Bah si, on en vient, enfin. On était. Quand même. On y était il y a 30 secondes. Mais comment vous expliquez que ce soit un pull à édition limitée que vous l'ayez trouvé chez H&M? Bah, peut-être que c'est de la contrefaçon en ce cas-là, j'en sais rien, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Ah non, pardon? Excusez-moi, par contre, baisser d'un ton. Qui a dit ça? Je voulais gérer ça, Cadet. Pardon, comment ça? Bah attendez, déjà c'est pour votre soeur, la Cadette, alors vous... Bon, bah d'accord, je reste. Ouais, bah vous restez, oui. Oui. Ah donc du coup c'est parce que c'est la sœur d'un flic qu'on me fait chier pour un pull. Et bon, moi je fais chier personne, je cherche à comprendre. Bah j'en sais rien. Bah nous on a acheté ça au magasin. Vous voyez bien quand même que j'ai aucune dégaine. Écoutez, c'est sur mon bob. Cette histoire à la con va trop loin pour un maillot à la con, hein. N'empêche que H&M ne vend pas ce style de vêtements. Donc soit en fait ils ont une longue quête part et du coup ils l'ont mis en vente mais ils ont pas le droit, bah du coup on va aller enquêter. Mais c'est pas du H&M, c'est du Primark. Oui, allô. Bah elle a dit du H&M, votre ami. Ouais, bah je suis défoncée. Non mais c'est trop belle, elle est défoncée. Ah ouais, non mais en même temps c'est... Ah oui mais là il y a quelque chose qui va pas. Oui, je vais aller me changer, pas de soucis, y a pas de problème. Oui, hein. Ah bah après, allez, vous voulez, hein. Moi je suis pas les influenceuses qui font de la pêche. Oh là là là. Cassons-nous d'ici. Oui, hein. Moi je sais pas. Faites ce que vous voulez après tout, hein. Je vais pas vous l'arracher votre pull, moi. Alors pourquoi nous casser les couilles? Il y en a un tel sous la jupe là-dedans. Vous voulez vraiment parler avec le copain? Alors on va faire ça quand on sera à l'écart. Le chocolat chaud n'est pas trop, merci. Alors prenez-le à l'écart maintenant. Regarde, stagiaire, c'est pas la vieille de l'autre jour là du circuit. C'est peut-être le moment, professeur. Tu parles de qui? Du vieux? Tu parles du vieux Pichon ou du mec au chapeau rouge? Lequel? Parce que des autres cons, il y en a beaucoup. Ouais, d'accord. Je crois. Non, tout change. Oh là, Hermana, tout ne change pas. Tout est où là? Ouais, je vois. Hermana, tu es pas une conne, hein? Elle est habillée exactement comme moi et est traînée avec les méchants, je sais. On faisait un battle de regard, c'est pas du jeu. Fallait pas vous approcher. Ça va mal se passer, Cox, hein? J'ai cru comprendre qu'hier vous avez enfin rendu votre service à la nation. Ah ça oui, bien sûr, d'ailleurs ça a donné lieu à des discussions très intéressantes. Ah mais j'imagine, tout à fait, oui. Ça a donné lieu à des discussions extrêmement intéressantes avec la police. Qui a gagné le $1 million? Ah bah personne. Oh bah c'est bien triste ça. Ah bah je sais que ça, l'argent, ça vous adorez ça, n'est-ce pas? Ah bah j'aime beaucoup ça, et vous non? Ouais bah oui, j'aime beaucoup ça moi aussi. Ça va Juan Carlos? Si, mais il y a quand même envie de vous enfoncer votre chapeau dans votre cul, hein? Ça va être compliqué. Oh, ceci dit, il peut être pliable, donc ça peut être facile, effectivement. Ouais, mais... Hé, Daniel, faut que tu l'as jamais vraiment rencontré, c'est Tripac. Hé, enchanté, Daniel, ça va ou quoi? Oui, bah, si, on avait parlé au téléphone. C'est Lucie Wish. L'approchez pas, c'est Lucie Wish. Elle essaie de se faire passer pour Lucie. Elle essaie de se faire passer pour moi, elle a pas le même pull que moi, moi je le sais. Mais non, mais on sait, elle s'est présentée avec son nom, t'inquiète pas. C'est un pull Baguera. Je l'ai dit à tout le monde, c'est un pull avec d'une influenceuse de crabe. Et je suis la seule à connaître cette marque. Et elle a dit que c'était H&M de la fast fashion allemande. C'est vrai que c'est écrit. Bah oui, c'est vrai que c'est écrit Baguera. Ah oui, c'est une super marque. Je l'ai acheté à Paris depuis le début, elle a menti. Ah ouais. Ah ouais. Elle a dit c'est du H&M fast fashion. Moi j'achète pas la fast fashion, je respecte l'écologie. Mais t'as le même pull. T'as le même pull. Oui. Mais oui, parce que moi je l'achète à mon vendeur, elle a acheté le même. Elle ment. Attends, t'es vraiment en train de faire une polémique pour un pull? Oui, c'est le mien. Bah tu veux que je me foute à poil en pleine neige? Non mais t'as exactement la même tenue que moi. Les mêmes chaussures et le même pantalon, c'est bizarre. Ouais, enfin ça fait 3-4 ans que je me fringue comme ça, meuf. Mais vous avez pas du tout les mêmes chaussures. Paris on a inventé, je veux pas te dire, mais vraiment. Oui bon, excusez-moi, mais on a à peu près les mêmes vêtements avec Antoine, on vous en fait pas tout un bah oui, c'est vrai qu'on a bien mal... Bah alors? En plus, c'est pas... t'arrives avec les pichons, et les pichons, ils veulent mon cul. Il s'est rien passé en tout cas, écoutez mon cher Donatien, il ne s'est rien passé, vous savez que je suis un citoyen modèle comme vous. On a simplement discuté. Vous avez des problèmes à ce qu'on discute avec vos employés peut-être? Vous avez des choses à cacher? J'ai problème à ce que vous discutiez avec mes employés, très cher. Eh ben voilà, alors dans ce cas-là, de quoi vous avez peur? Mais je n'ai peur de rien, je voulais juste savoir un petit peu ce qui s'était passé dans le détail. Une petite discussion? Une petite discussion, bien sûr, tout à fait innocente sur la pluie, le beau temps, la neige aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Effectivement, vous avez vu quel temps froid, c'est horrible. Ah, c'est terrible. Hein. Faut faire attention à pas tomber malade. Ah, effectivement, ça serait dommage, effectivement. Oui, ouais, bien sûr. Non, il ne s'est rien... Écoutez, Donatien, il ne s'est rien passé, ne vous inquiétez pas. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'une personne méchante? J'ai un appel. Miguel, oui. Vous avez vu la provocation là? Ouais. Avec son Miguel à la con. On va s'occuper de ça, mais écoute, viens, on va se mettre, on va aller discuter tranquillement de ce qu'on va faire là. On a plusieurs coups de fil à passer, ok? Attends, on va récupérer ta sœur. Salut les crottes. Ça va? Ça va bien? On vient de me dire que j'étais une Lucie Wish parce que j'étais habillée quand même. On y va. Bonne journée. Eh hey, salut hein. Eh fait prenez pas froid. Vous êtes en t-shirt là. Au revoir, bonne journée. Non mais attendez, non, je reste pas avec toi. J'ai avec toi, j'ai avec toi. Oui. Venez. Et... ouais. Et il y a où le chien en face de vous? Oui, bah j'ai aucune chance, hein, je vais pas vous mentir que j'aurais beau essayer de convaincre la ville entière face à un chien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Miguel hein? C'est un peu compliqué, en plus le chien il donne des sous à tout le monde. Oui, bah, j'en ai donné aussi, mais j'ai pas une tête de chien quoi. Donc, en tout cas, tous les Vagos, ils ont voté pour vous, et on a fait voter un maximum de gens, on a même emmené des gens qui savaient pas pour qui voter, avec un pistolet sur la tête pour qu'ils votent. Ah, vive la démocratie, Miguel. Oui, nous, c'est une version de la démocratie un peu cool, mais voilà. Et bon, si vous passez pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue tout le monde? Non, 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 on en discutera ensemble, on en discutera ensemble. D'accord, c'est une vraie question. Mais on fera probablement payer les responsables. Super, oh, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, à tout à l'heure. À toute, Miguel. Oui, écoute. Ouais, Miguel, on a Cox, Cox avec les croûtes à la mairie. Vas-y, rentre. Monte. Y'a conduit? Ouais, vas-y, conduit, je vais passer un coup de fil. Putain, c'est fou, l'ambiance de la ville a complètement changé avec ça, là. Oui, docteur? Vous êtes seul? Actuellement, oui. On peut se voir quelque part? Ouais, il faut juste que je mette une chose au clair avec, justement, ma famille par rapport à la situation d'hier, vous voyez? Ouais, bah faites vite, on se voit rapidement, d'accord? Ouais, putain, mais toutes les bagnoles de cette ville ont plus d'essence. Bon, oui, on se voit après, je vous appelle. Vous voulez qu'on vous ramasse? Nous, on a de l'essence, non? Non, vous inquiétez pas, je suis juste à côté, là, j'arrive, je me dépêche. À tout à l'heure. Ok, si on a des petites choses à faire, c'est le moment de les faire. Ensuite, Pichon va nous rejoindre, on va discuter sur la suite des événements. Oui. Vous pensez vraiment, vous avez regardé, Antoine, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, Antoine. Hein. Tout à l'heure, on m'a dit que le docteur Cox et vous aviez eu une conversation. Il vous avait enlevé, ensuite vous êtes rétracté, vous avez dit que vous avez eu une conversation. Ensuite, j'essaye de vous appeler. Je vois que vous ne me répondez pas, j'appelle Daniel, et je me dis qu'il y a un souci. Ensuite, je vous vois parler avec le docteur Cox. J'ai juste eu peur, monsieur. C'est pas mon problème, ça. Hein. Ah bah c'est tout ça, on se pardon, jeune homme. Il passe quoi, Daniel, du coup? Bah je sais pas, c'était juste pour que je parle à Lucie, en fait. Bah oui, elle voulait vous parler. Oui. Bah, elle a pas l'air d'être bien, votre amie. Hein. Non mais... Vous allez prendre soin d'elle, hein. Moi je les blesse. C'est bizarre. Vous cherchez. Non mais c'est... Mais si, c'est pour ça, en fait on est déjà sur le coup, c'est... Oui, oui, effectivement, mais... Mais comment ça vous êtes sur le coup et vous me dites même pas alors qu'on se dit tout? Mais comment ça vous êtes sur le coup? Sur le... Ah bon, écoutez... C'est déjà assez compliqué comme ça jusque-là. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe quoi? Mais il se passe qu'elle me demande pourquoi on parle au docteur Cox. Oh rien, il voulait juste prendre des nouvelles. Non Antoine, tu peux pas dire ça alors qu'il t'a enlevé. C'est vrai. Non mais de toute façon, là je... De toute façon, maintenant, il y a Donatello qui veut plus me parler parce que j'ai juste parlé à quelqu'un d'autre et c'est toujours moi qui fais les erreurs, c'est bon! Pourquoi il veut plus te parler? Ouais. Pourquoi il veut plus te parler? Mais il veut... Parce que... Bon, viens, on s'en va. Moi, j'avais juste besoin d'entendre que c'était là. J'avais juste besoin d'entendre que il était là et que... Et tout de suite il dit c'est de ma faute, je lui parle, que je préfère parler à Dr Cox et... Il t'a dit ça? Oui. On va y aller, on va laisser Monsieur Pichon voter, hein. Ouais, mais je m'inquiète un peu pour l'écoute. Oui bah ça c'est normal ça, hein. Ça c'est bizarre. Je vais leur parler vite fait et puis voilà. Ah ouais. Ah, c'est à moi qui devrait parler, hein. Oui, bah je sais bien, mais écoute... Ah bah vas-y si tu veux. Hein. Et s'il y a eu quelques petits soucis, on va dire qu'ils se sont fait enlever par le docteur Cox et j'ai peur qu'il ait monté la tête... Qu'il ait monté la tête un petit peu à Antoine. Je voulais un peu savoir ce qu'il s'est dit. Là, là, au téléphone ? Ouais, salut Liam. Salut Liam. Il y a Daniel qui m'appelle, attendez. Il est juste à côté. Daniel, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, bah oui, c'est vous que j'appelle. Qu'est-ce que vous avez dit à mon cousin dernièrement? Je lui ai dit que ça faisait toujours plaisir de voir qu'il préférait parler avec le docteur Cox plutôt que de répondre à mes appels. D'accord, très bien. Est-ce que je vous ai pas dit de faire attention à ce que vous dites? Ah, bien sûr que oui, mais sauf que là je vois ça. Du coup, bah forcément, j'ai aucune explication. Oui, bon, l'explication, c'est que c'est Dr Cox qui nous fait un petit peu peur et que quand il s'approche de nous, effectivement, on essaye de rester calme et on attend qu'il finisse de nous parler. Ah, et je vois, je vois. Disons que ça l'attriste un peu parce que vous savez que nous, on vous aime beaucoup quand même et du coup, bah, il est... J'aimerais bien avoir quelques petites explications tout de même, Daniel, hein. Oui, mais j'entends bien. Écoutez, je pense qu'il se passe beaucoup de choses et moi, je vous propose qu'on se voit et qu'on en parle à tête reposée, alors. D'accord. Bon, je vais demander ce qu'Antoine en pense, parce que c'est quand même la moindre des choses. Oui, je comprends bien. Bon, et bah écoutez, je vous tiens au courant. Très bien, merci beaucoup. À très vite. Perturbant cette histoire, hein. Mais tu vois, moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce qu'il tient à nous un peu, puis tout de suite il me dit, tout de suite il m'engueule tout de suite. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est... Pardon, mais c'est un peu con, hein. Il est un peu con, Donatien. Salut Béa. Salut mon GG, comment tu vas? Ah super, et toi? Ah moi ça va super, mon GG. Ah quoi GG? Ouais. J'ai vu la liste. Ouais, t'as voté? Ouais, bah je suis d'accord avec toi, mais le dis pas aux autres, d'accord? J'ai voté Liach aussi. Ouais, ouais, mais j'aurais dit que j'ai joué voter Henriette. Enfin bon, on verra ce que ça va donner, hein. Ah, si, à 0 pour Henriette, ils sont en... Non, mais y'en aura. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, vous? C'est Gisèle de Guérande, j'ai voté déjà. J'ai voté qui? Oui. Vous votez pour qui, madame de la Garonde? De Guérande, vous savez, là on fait le sel de Guérande. Ah, le sel de Guérande, oui, dites-moi, vous avez voté pour qui? Ah bah j'ai voté pour la petite Henriette, il paraît que c'est un candidat qui a de l'avenir, on m'a dit. Ok. Ouais, ah, c'est important. Oui, c'est le monsieur là qui m'a dit ça, là, le monsieur là avec la chemise, il m'a dit, c'est une candidate qui a de l'avenir. Alors du coup, je me suis dit, je vais voter pour elle, vous voyez? Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Oh, très bien. On fait nous. On se rapproche, les résultats. Je vais juste faire un coup de fil, restez, j'arrive. Oui, d'accord. Parce que les résultats sont parfaitement. Ça va, Lenny? Ah, monsieur Montazac, comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Ah bah ça va, ça va, ça va. Alors, prêt à être meilleur ? Ah, comme je dis à chaque fois, le chien en face, ça va être compliqué, hein. Ouais, alors apparemment, le chien, il paye les gens pour avoir des voix. Non, mais c'est terrible, hein. Vraiment, la corruption dans cette ville, c'est n'importe quoi. Il donne des façons. Attendez, j'ai un appel important. Je reviens tout de suite, messieurs. Messieurs, dames. Vous êtes appelés par la police aussi pour les candidats, monsieur Lombric. Oui, Antoine ? Bon, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Mais arrêtez de me crier dessus, moi j'ai juste besoin de ça. Oh, mais je vous crie pas dessus. Mais si vous me criez dessus. De rien, Antoine. Mais bah c'est pas facile, moi je... Ah bah j'imagine, mais le docteur Cox, qu'est-ce qu'il vous a dit, le docteur Cox? Mais il nous a dit que... Il nous a dit que vous nous aimez pas vraiment, qu'on était là juste pour l'argent, que vous nous utilisiez pour les élections, et que en plus, si par exemple on était pris en otage, c'est vrai que vous payerez pas pour nous parce que vous aimez beaucoup l'argent, et moi j'ai dit que vous étiez juste un grand homme d'affaires, mais ils m'ont dit non, que c'était pas ça, et ils m'ont dit que vous aviez fait plein de trucs louches, je vous avais jamais dit, que vous nous avez menti sur tout, et moi au bout d'un moment je sais plus qui croire, et c'est difficile. Et puis après vous m'engueulez tout de suite. Mais je vous engueule pas tout de suite, Antoine. Mais je suis quand même étonné que quelqu'un qui vous parle après vous avoir enlevé arrive à vous convaincre plus que la personne qui vous a donné je ne sais pas combien de chances dans cette ville alors que personne ne croyait en vous, Antoine. Bah oui, mais... Bah oui, je... Donc c'est de nouveau moi le problème. De toute façon j'ai toujours moi le problème. Mais non, c'est pas vous le problème, Antoine. Écoutez. D'ici 3 minutes et quelques, je devrais être disponible. On se parle en vrai, ok? Les gars, on peut se décaler juste un peu, je faudrait que vous fassiez un truc. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, je veux bien sûr. Alors, en fait, je vous explique. En fait, John, vous savez, moi j'avais son contact en fait. Et là, je l'ai eu au téléphone et en fait... j'ai un plan pour braquer la Pacifique. Ah. Et un gros plan, tu vois. Pourquoi il t'a fait un cadeau, John? En fait, justement, on doit le voir ce soir et il va nous filer un véhicule blindé. Ok. Et en plus de ça, le plan, c'est de s'échapper avec un Cargobob. C'est-à-dire que avec la voiture, on va filer et le Cargobob, il viendra, il fera l'aimant sur la voiture et hop, on dégage dans les airs. Putain. Alors à ce sujet, moi j'ai un truc à rajouter. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour récupérer une radio et la fréquence des flics. Donc, normalement, je vais entendre moindre feu de geste. Ok. Ah, on soit 4 maximum dans la banque. Ouais. On en reparle. Il y a l'élection, on va écouter. Ouais, bonne chance, Donna. Ouais, j'ai aucune chance, hein, mais c'est comme ça. Mais si, mais si. Mesdames et messieurs, bienvenue aux élections municipales. Bienvenue. Monsieur, monsieur Harris. Oui, il faut aller de l'autre côté, monsieur Montazac, de l'autre côté du pupitre. Ah oui. Oh, Donatien. Salut. Ça va, tiens, tu as une mauvaise mine. Ah, c'est un peu compliqué, mais bon. On va voir les résultats. Antoine ? Oui. Antoine ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. T'appelais qui ? Donatello. Bouh! C'est moi! Oh, tu m'as fait peur! Allez, viens, on va écouter les élections. Attention, la prochaine fois, je risquerai de mouiller mon pantalon et pas comme d'habitude, hein! Mais putain! Du moment que c'est pas l'autre compte d'Almacien. C'est là mon GG, c'est parti! C'est classe ici. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes élégante, Henriette. Ah bah, c'est pas dit. Donc, on m'a conseillé de mettre cette tonique sans chocolat. Demande à Basile de te soigner. Elle a pas pris de 10 ans. Attends, mais c'est pas Henriette, ça? Ils sont ici sur les plus belles de France. Mais non, c'est pas petit Henriette, GG. Mais il lui pince pas le cul comme ça. Mais non, mais j'ai confondu, arrête. Et tu sais, moi, je pense que... S'il s'énerve, c'est parce que ça l'affecte vraiment. S'il n'en avait rien à faire, eh ben, il n'aurait pas réagi comme ça, tu comprends? C'est une réaction qui est bête, mais c'est justement parce que ça le touche. Et c'est ça qu'on voulait savoir. Est-ce qu'on le touche ou pas? Ouais. Les croûtes, toujours en retard. Oui, bah ça va. Hein. Basile Lombric, au tâteur, il est là-bas. Mais s'il est là, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux élections municipales. On m'a demandé de dénoncer le gagnant, mais on n'oublie pas aussi les perdants qui, du coup, ont l'autorisation de pouvoir faire un petit discours pour remercier la peuplade, comme on vous appelle, de l'avoir soutenu. Alors, sur le pupitre, je vois, avec 0 vote, Basile Lombric. Oh, terrible, Basile, vous avez même pas voté pour vous-même, Basile. Vous avez même pas voté pour vous-même, Basile. C'est terrible, Basile. On sait où ça mène, tout ça. Il a même pas voté pour lui. Il a même pas voté pour lui, Basile. Quel couillon. Basile. Ah, mais c'est moi. Un discours. Allez sur le pupitre, discours. Allez, discours, cher ami. Il est pas obligé, hein, il a quand même 0 voix. Vous moquez pas. Bonjour. Alors, c'est la première fois que je suis là. Je savais pas que j'étais candidat. Et je dois dire que le score est plutôt serré. Bravo, Basile. Ouais, bravo, bravo. Ah, ma malade, pourtant il n'y avait pas de temps, hein. Bon, il est médecin, excusez-le aussi. Trop de pression. Ok, c'est bon, je peux retourner à ma place. Oui, oui, c'est bon, merci Basile. Félicitations, monsieur Lombric. Force à toi, bisous. Calmez-vous, calmez-vous. En 5e position, avec l'équivalent de 5,26% des voix, j'appelle monsieur Grégoire Maison. Oh non, oh non, oh non. Docteur Maison. Arrêtez! Arrêtez! C'est le meilleur, docteur Maison! Arrêtez! Arrêtez, je vous tape tous! C'est pas assez! Oui, c'est pas assez! Sinon, je vous tape! Il y a plus de bouts que de gens qui ont voté pour lui, alors... Sinon, je vous tape! Très cher, 5%. Eh oui, cher ami, mais écoutez, c'était un combat rude et j'ai des adversaires redoutables. Notamment, merci, cher ami, merci, docteur Croix. Merci, cher ami. Voilà. Vous êtes le plus beau de Los Santos. Même si je ne suis pas maire de Los Santos, vous savez que je resterai à vos... Vous êtes maire de nos cœurs, exactement. Et je resterai à vos côtés. Il m'a sauvé la vie aussi. Voilà. Moi aussi, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Donc je resterai maire de vos cœurs et n'hésitez pas... non plus à féliciter nos candidats et Docteur Maison sera toujours là pour vous, cher ami. Merci, monsieur Maison, vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur, monsieur Maison. Si vous aimez monsieur Maison, levez les mains. Il est trop nul, il a perdu. C'est qui je le tape? C'est qui a dit je le tape? Qui a dit? C'est le mec à ma gauche, là, en tenue de plongée. Mais où? Ah, Doberman, on va te choper là quand tu sors. Sur le même. Mais où? Bravo, monsieur Maison, belle participation. Je voulais te féliciter. Oh, pardon, c'est pas allé, je voulais vous taper l'autre. Pardon, pardon. Pardon, c'est pas le bon. Calmez-vous, calmez-vous. Point d'échauffourée, s'il vous plaît. En 4e position, avec 7,02% des voix. Attention. J'appelle monsieur Rotarez. Merci à tous. Certains me connaissent, je suis Marius Rotarez, le patron de la société Courrier de Fonds. J'ai fait un effort, je suis venu sobre pour faire le discours. Waouh, bravo. Merci, c'était pas simple. J'ai fait une campagne tambour-bâton, je suis un peu étonné de ce score, mais bon. En tout cas, je suis surtout venu voir si cette ville était capable d'élire un animal. Donc, merci à tous de m'avoir soutenu et désolé à tous ceux que j'ai déçus et si vous me découvrez, merci de me découvrir. Voilà. J'ai gagné. Félicitations. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ça l'a énorme dans le dos. Comment il s'appelle Antoine, tu m'entends? Oui. Qui a gagné en fait, monsieur? On sait pas encore. On sait pas là. Ils ont pas dit. Cher public, comme vous vous en doutez, il ne reste plus que 3 candidats. En 3e position, avec 12,28% des voix. Ouh là là, ça commence à monter. Attention. Oh. J'appelle Madame Delacroix. Ah bravo, cher ami. Ah. Oui. C'est bon, je suis satisfait dans tous les cas. Bravo Henriette. Ça galère. Ça fait bien fait, bien fait. Bien fait. Bien fait. Bien fait. Bon, très bien. Bon alors, bon, je suis pas mère, c'est pas grave, mais au Unicorn, on a des passe-putes si vous voulez. Alors venez nous remplir les poches de moula, merde. Allez. Et j'espère que c'est pas le dalmatien, hein, bon, allez, on y va. Japonais, je laisse. Félicitations, madame Delacroix. À défaut de ne pas être mère, vous serez peut-être un jour grand-mère. Félicitations. Mais c'est bien envoyé. Calmez-vous, calmez-vous, la peuplade. C'est une démocratie. Bon, là, je me fais dessus. Alors, le combat est très serré entre les deux derniers candidats qui sont particulièrement atypique, puisqu'il s'agit d'un chien et de monsieur Montazac. Est-ce qu'il va être enfin capitaine des polices? 6,14% des voix. Aïe, 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 aïe. Oh, la victoire. Ouf, ouf. Jeannot. Non, c'est l'orage, c'est l'orage. Et je suis sûr que son discours sera magnifique. Le Yinch. Victoire. Oui, félicitations. Ah oui. Ah là là, c'était sûr. Eh oui, oui, oui. C'était sûr. Oh là là. Ouais, j'ai fait chien LV2, je vais traduire quand il va essayer de me waffer. Attends, c'est qui a gagné du coup? C'est le chien. Bien joué, bien joué. Un discours, un discours. Un discours, un discours. Un discours, un discours. J'ai voté pour un Yinch. C'est un bonheur et je vous remercie, peuple de Los Santos, de m'avoir voté. Alors, est-ce que je suis un changement en profondeur de la ville afin de répondre à votre demande. Incroyable. J'annonce donc le lieutenant Kuk, passe commissaire du LSPD, devenant le supérieur direct du capitaine Bill. C'est ce que je viens d'entendre là. Les entreprises suivantes. Oui, vous avez entendu, hein, vous avez choisi le bon candidat. Montazac et Torres, Frère Pagnoles, Monet et Santé reçoivent un remerciement spécial, devenant le prestige de notre ville. Ouais. Ah, c'était déjà le cas, mais merci. Oui, oui, oui. Pourquoi il est con, j'ai du mal à lire. Le troisième point. Le Unicorn. Ah oui, c'est donc dirigé par Pichon et Pichon. Oui, c'est nous-mêmes. Le prestige de notre ville sera repeint dans la semaine en vert, correspondant à leur alignement dressant. Il y a quoi ça? C'est bien ça, MT. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Quatrième point. Marius Rotarez comme maire adjoint, qui aura la responsabilité du discours de Los Santos que demain, sa responsabilité. Elle est bizarre la fille derrière. Majorité. C'est lui qui amène les bouteilles. On est pas dans la merde. Les champagnes, c'est qui la merde? Moi, le Yash a fini. C'est Marius. À quelle heure? À quelle heure? Félicitations. Je vous prierai de bien vouloir accueillir comme il se doit monsieur Montazac pour son discours. On vous écoute. Ouais, monsieur Montazac. Ouais, monsieur Montazac. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que cette ville ait voté pour un chien, pour tout vous admettre. Malgré tout, je me serais bien battu. On s'en bat les couilles, mon frère, dégage. Bon bah je dégage alors. Je dégage alors. Si vous voulez que je dégage, je dégage. L'élection a été honteusement volée. J'ai gagné de loin l'élection. I won by far. By a lot. Excusez-moi, merci pour citer l'auteur, bien sûr. I won by a lot. This is a disgrace. Mais je suis vraiment désolé, vraiment à toutes celles et ceux qui ont cru en moi, et je sais que... qu'ils sont très nombreux dans cette ville, et c'est pour ça que je vous offre à toutes et à tous, si vous venez au domaine, quelques bouteilles gratuitement. Gratuitement. Pour celles et ceux qui ont évidemment voté pour moi. En tout cas, félicitations à monsieur Rotarez pour devenir vice-maire. Ça, c'est la bonne douille. Félicitations à toutes et à tous, en tout cas. Vous avez un maire... on a le maire qu'on mérite, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Putain. Je vais les pleurer dans un coin. Merci à tous et à toutes d'être venus pour l'élection municipale. Nous pouvons applaudir le Yash. Bravo. 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 Bien vrai chien qu'un faux chien là dedans. N'hésitez pas à profiter du vin de Montazac. Vive le Yanche. Vas-y, on va faire compter les voix, 0 c'est 0. Tu t'habilles comment ça le chien? Eh venez. Qu'est-ce qu'on fait? On va au logement. Attends. Bravo monsieur le maire. Bravo monsieur le maire. Bravo monsieur le vice-maire hein. Eh vous m'entendez? Ouais. Oui. Putain doucement. Oui. T'avais les Lucie les Vagos qui étaient ensemble et qui faisaient que parler de moi genre. Comment ça? Genre en mode qu'est-ce qu'elle a, elle est bizarre, elle qu'est-ce qu'elle veut, que ça j'ai obsession. J'étais de doigts de sortir mon canon, de leur tirer une balle dans le crâne à ces fils. Bah il a envie de le faire hein. J'avais sorti le truc hein. Pourquoi je m'en fous? T'inquiète. Moi aussi. Ouais. Attends, Juan, ils savent qui tu es, toi? Non. Alors qu'en plus, dans l'histoire... Tu pourrais peut-être te rapprocher et essayer de gratter, voir les écouter. Dans l'histoire, le pire, c'est que j'en avais rien à foutre, moi, je regardais le lien. Ouais, je comprends. Attends, Juan, essaye de t'approcher. S'ils savent pas trop quitter, peut-être que tu risques rien. Envoyer un SMS quand on parle. Hein. Ouais. Mais j'aurais dû leur dire, je regarde pas les chiennes, je regarde le lien. Je crois qu'elle l'aurait mal pris. Ouais. Ouais, bonne répartie, j'adore ça. Attention, ça arrive. Oh, j'en peux plus, j'ai la tête comme ça. Tiens. Ça arrive, attention. Oui, c'est compliqué face à un chien. Ouais, bah on a vu. Bah ouais. Félicitations commissaire. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qu'il vient faire? Attends, excusez-moi, monsieur Monbalzac, là, on a l'autre avec son bonnet blanc. Le bonnet blanc? Ouais. Enfin, Bob. Oui. Oui, c'est les autres connards, ouais. Ouais. Va falloir qu'on discute de ça très prochainement. Regarde-le, Montazac, à se baigner au milieu des Vagos. Regarde-le, on dirait un étron dans une flaque de pisse, quoi. Il a tellement pas supporté sa défaite qu'il a osé dire que c'était truqué ou un truc comme ça. Ouais. Tiens, Kim, si tu veux un chocolat chaud. Non, c'est bon, t'inquiète. J'adore ce chien. Parce que tu manigances ma grosse, mais ça va pas se passer comme ça. Est-ce que tu crois que je pourrais aller me moquer de lui? Ouais, vas-y, je viens avec toi. Mais à mon avis, les Vagos, ils vont encore sortir leurs grosses couilles en mode mec, ferme-la, hier on t'a rafalé. Ouais. Vagos locos, hijo de puta, vive les Vagos. Il faut que vous veniez, on a 5 minutes. C'est carrément pas gang du tout. Depuis le début, le docteur Cox, il voulait une Lucie. Et comme il l'a pas eu, il en a pris une autre. Et personne ne se fera avoir. Son vieux maquillage dégueulasse, là. Bon, ça aurait pu être pire ces élections. Ah bah ouais. C'est pas compris, il y avait un chien qui passait l'air tous les jours. Hein, mais... Ah bah ça. Mais bon, ça, je pense que c'est assez révélateur de cette ville. Ça me paraît assez... C'est de bon ton, je trouve, tu vois. Oh, on était pas loin d'avoir l'autre con en tant que maire. Ouais, oh bah c'est... Oui, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ouais. Mais dis-moi, il y a le... Le docteur Cox, il aimerait bien taffer avec nous, je pense, là. Mais ouais, je sais pas trop. Il m'a envoyé des messages. Ouais. Des messages de Doberman aussi. Ouais, Doberman, je pense qu'on peut le skip, hein. Tu veux faire un compagne? Ouais, je veux bien, ouais. Ah, vas-y, je les envoie. Oh, je l'arrive, pourquoi mon frère? Wow, ça passe, hein. Ah, bah ouais, quand même. Bon, ouais, le docteur Cox, je pense qu'il faut faire... Enfin, je pense qu'on a deux options, c'est simple, hein. C'est soit un gros coup Pacifique, soit dalmatien, on lui fait une attaque, quoi, tu vois. Le truc, c'est que le docteur Cox, j'ai l'impression qu'il va continuer de nous... Tu vois, il va pas nous lâcher tant qu'on n'aura pas prévu un truc contre le dalmatien, quoi. Ah bah, c'est un peu l'impression que j'ai aussi, tu vois. T'avais quoi en tête, toi, ce soir? Je t'avoue que j'ai pas énormément d'idées pour le coup, je suppose. Jim, il proposait un coup avec un Cargobob. Cargobob? Ouais. On en parlera. Ah bah oui, clairement. était sûr de... Non, ça rien. Alors, vous avez perdu votre serviette? C'est bon. Non, mais tu es bien attaché. On parlait un peu. Par contre, allez, on va dans le Unicorn, s'il vous plaît, parce que j'ai quand même frotté. Papier, non, je peux vous parler de secondes. Juste après, mon frère. Venez donc à l'intérieur, il y a des filles et après. Attendez. Non, vous voulez rentrer, on rentre, Vous pouvez faire un petit barbecue de la joie, du bonheur pour célébrer. Sous la neige? Je sais pas. Ouais, un barbecue dans la neige. C'est original. C'est plus chaud, oui. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait chaud. C'est vrai, ça. De dehors à ici, t'as l'impression c'est jour et nuit, quoi. C'est le sauna, c'est le sauna. Allez, petit shooter pour tout le monde. Allez, c'est notre tournée, même si on a perdu. Juan. Oui. Alors? Attendez, je parle de ma folle. Ils veulent faire la peau à Hermana. Et je crois qu'ils vont se donner rendez-vous là où il y a les vignes. Là où il y a les vignes? Oui, chez Donna. Ah ouais? Et pourquoi ils veulent lui faire la peau? À Hermana. Et pourquoi? Je sais pas, elle te déteste. Et pourquoi? Bah, Lucie. Elle dit que tu es une Lucie chez Wish, elle dit que le docteur il a toujours voulu une Lucie et qu'ils allaient s'occuper de toi. Attends, elle est jalouse? Mais il ne sait pas. Ouais, elle m'a même dit que t'es une Lucie Wish, en plus t'es habillée exactement pareil et tout, genre en mode moi Tripac, je suis une Wish de quelqu'un. Et j'ai même envie de te dire que c'est une Wish de toi. Ouais, carrément mec. Y'a personne qui m'imite genre. Il faut qu'on contacte, il faut qu'on contacte les... parce que j'ai un humour hors du commun. Et je crois que les Vagos, ils ont donné rendez-vous à Donna dans ces vignes à la con là. Bah justement, si tout le monde est réuni au même endroit, c'est peut-être l'occasion de faire un feu d'artifice. Si, bah il faut voir avec Cré-Cré. J'appelle Pichon tout de suite. J'appelle Pichon tout de suite. Un Cargobob normalement. C'est sérieux mec? C'est le sens ça. Ah bah Jim il a des contacts en l'air. Pourquoi? Pour ce soir? Ouais, pour ce soir. Ok. Alors tiens, nouveau jeu. Moi ce que je veux de tout le monde là, c'est... Oui docteur. Vous êtes seul là, vous pouvez parler? Bah là je suis au Unicorn, on est tout le clan Families réunis là. D'accord. On a discuté de la suite. Moi j'ai quand même une info qui peut peut-être vous intéresser, c'est qu'en fait on a Juan qui a espionné un peu quelques conversations. Et du coup là en fait ils vont tous être réunis, je pense qu'ils vont aller fêter la défaite chez Donatien. Du coup ils vont peut-être être tous réunis au même endroit, il y a peut-être quelque chose à faire non là? Bah oui, mais le truc c'est que là, nous, avec les familles, enfin, Dr Cox, on doit faire de l'argent. Et là, on a un coup avec la Pacifique, on est neuf, on est tous réunis, on peut faire ça, quoi. Après, moi, si vous voulez, je peux vous fournir un hélico. Si vous voulez faire une petite opération napalm, on vous file des mollos et... Ouais, attendez, vous partez, votre banque, là, vous voulez la faire quand? Bah là, je pense qu'on va s'organiser, on enchaîne direct dessus. Mais ce qu'on peut faire, docteur, c'est que moi, avant que la banque se fasse... Je vous dépose je vous passe l'hélico, je vous file des molos que Epti m'aura fourni et vous faites un petit chevauché des Valkyries. Ouais, c'est pas impossible, ouais, si vous pouvez nous financer ça. Alors attendez, okay. Je dois parler avec les gens avec moi et je vous rappelle. Ok, ça marche. J'ai que cette affaire encore là. Qui dit on y va? Mais me prends pas pour un con, tu crois que je... Moi je conduis pas. Hein. On va laisser Antoine conduire. Viens Daniel. Fais attention, va pas trop vite, il y a de la neige. Attachez vos ceintures. Bon Antoine, qu'est-ce qui t'a dit le docteur Cox? Vous voulez vraiment qu'on parle pendant que je conduise là? Bah disons qu'on a un peu le temps quoi. C'est vrai, on a un peu le temps. Non mais en vrai, il m'a rien dit, il m'a juste posé des questions monsieur. Non mais je vois bien qu'il vous a retourné le cerveau Antoine. Vous savez c'est un psychiatre, hein, il est très fort pour ça. Hein. C'est vrai que je me suis posé des questions après. C'est-à-dire? Ben, est-ce qu'on nous écoutait vraiment? Est-ce qu'on nous disait toujours la vérité? Et... Est-ce qu'on se servait pas de nous aussi? Il a mis ça en question. Comment ça, on se sert de vous, c'est-à-dire? Ouais, il a peut-être dit que vous vous serviez de nous pour essayer d'amadouer un peu les citoyens, quoi. Eh bah du coup, là, ça voudrait dire que je n'ai plus besoin de vous, c'est ça? Oui, c'est un peu... C'est pour ça que je vous propose de venir avec moi au domaine, quoi. Oui bon, c'est vrai que dit comme ça, ça tient pas la route. Bah non, pas tellement, non. Je lui ai dit aussi tout à l'heure que... Mais ce que j'ai pas... C'est juste, vous vous rendez pas compte? Moi, il y a des gens, au milieu de la route, ils me sortent de ma voiture, et après, ils me pointent des armes, et après, ils me disent plein de trucs, et... Putain, attends, du coup, tu t'es dit, bah, je vais les écouter, ils ont l'air gentils. Non mais écoutez, vous voyez bien qu'il est chamboulé, ça sert à rien. Non, oui, je suis désolé, bien sûr, je sais bien. C'est pas une question d'avoir tort ou non, c'est des événements qui se sont passés. Bah, je sais, en tout cas, ce que je sais, c'est que le docteur Cox n'a pas raison, en tout cas. Il t'a raconté que des conneries et puis il veut juste te monter la tête. Et il a un... Pourquoi il veut monter la tête? J'ai pas compris. Le docteur Cox Écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. Oui. Messieurs Pichon ont enlevé, il y a de cela une semaine, Lorenza et Lara, les deux autres employés. Ils les ont enlevés. Bon, ils font de la prison, mais ils recommencent, ils participent à des braquages. Et en plus de ça, Gérard Pichon, il me faut une amende. Il me faut une amende, tout ça, c'est vraiment, il me nargue jusqu'au bout. Je me dis, ça doit cesser, ces connards doivent arrêter de sévir en ville. Et je sais que le docteur Cox, il aime plutôt pas trop les pichons, lui non plus. Du coup, le docteur Cox m'appelle et me dit, faudrait qu'on fasse quelque chose contre les pichons. Je lui dis, bah venez, on va discuter. Et là, il arrive au domaine avec Tripac et Juan Carlos, là. Oui. Et il me dit, on a possiblement un plan. Et bah du coup, j'accepte, hein, forcément, parce que je me dis que si la police ne fait pas son travail dans cette ville, je vais le faire moi-même. Et bah du coup, on a pris en otage messieurs Pichon. Et à partir de là, bon, il se trouvait que je savais pas nager, et je me suis noyé à la fin de cette prise d'otage. Et du coup, je me suis fait prendre... bien pris en otage, ça, ils m'en ont parlé, et moi je savais pas... Et... Mais il me semblait vous l'avoir dit, Antoine, enfin, pourquoi je vous cacherais une chose pareille? Surtout qu'en plus, je n'ai plus rien à me reprocher, j'ai fait la prison, j'ai rendu à la ville... Enfin, j'ai rendu service à la ville, quoi. Mais sauf que les autres ne se sont jamais fait inquiéter. Alors, je les ai évidemment balancés, parce que c'était quand même leur idée à la base, même si j'étais d'accord avec eux, ça, je l'ai jamais nié, hein, bien sûr, hein. Et ensuite, vu que je les ai balancés, bah, ils me veulent du mal, forcément. Ils me veulent du mal absolument, ils m'ont enlevé l'autre jour. Et ensuite, maintenant c'est vous qui... Maintenant ils essaient de m'attaquer différemment, ils essaient de vous enlever vous et de vous monter la tête contre moi. Donc ça c'est vraiment terrible. Oui. Et ça c'est parmi les pires choses qu'il aurait pu faire. Là, va falloir que Cox il arrête de nuire dans cette ville, hein. Vraiment. Vraiment c'est ce qu'il y a de pire en fait. Autant les pichons c'est des ordures, mais Cox c'est encore autre chose. Ah, en tout cas, je suis très content que vous m'en ayez parlé, Antoine. J'espère qu'Antoine, tu nous crois à nouveau, quoi. Mais attendez, il y a eu cette histoire de si vous me preniez, il vous prenait en otage, je paierais pas ou je ne sais quoi. C'est quoi cette histoire là? Non, ça, il m'a posé la question. Il a dit, je vais te dire un test. Tu sais que Donatello il aime beaucoup l'argent, et moi je dis bah oui, il aime beaucoup l'argent, c'est vrai. Et il a dit ben imagine si on prenait un otage contre beaucoup d'argent, et bah c'est vrai que j'étais pas sûr. On va trouver un truc, une manigance pour pouvoir payer. Mais... Évidemment que je paierai, Antoine, enfin. Ouais. L'argent c'est fait pour être dépensé. Ça c'est bien dit. Ouais. Ah oui, quand on a de l'argent faut le dépenser pour de bonnes choses. Oui. Oui, monsieur Miguel. Oui, commissaire, il voulait vous féliciter. Merci, monsieur Miguel, merci. C'est important que vous soyez commissaire, c'est une bonne chose. Oui. Et voilà, il voulait vous dire juste félicitations. Oui, ben merci, monsieur Miguel. C'est juste les propos des capitaines Boyle, c'est un peu compliqué, mais je comprends qu'ils sont en colère. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Boyle? Non, ils sont pas là pour les péter, mais... Ben, allez-y, on est entre nous, hein. Non. Il peut pas... Mais après, le capitaine est toujours capitaine, hein. Si, mais apparemment, il était quand même très dégoûté. Bonsoir. Hein. Vous n'avez pas l'air d'être très net, hein. En tout cas, moins que d'habitude, encore plus, quoi. Ouais, bah, je suis emboulé un peu. Oui, mais il est resté capitaine, c'est le principal. Si. Il y a eu une histoire, des branleurs, des petits cons, et des sales merdes, mais pas compris. Oui, d'accord. Bon, je vous laisse, Miguel. Au revoir. Au revoir. Allez donc, mon capitaine, il y a tout le monde qui me félicite, là. Ça va, vous? Oui, bien, bien. Je pensais réunir tout le monde, là, faire un petit discours, non? Vous avez tout manigancé avec le chien? Pas du tout, mon capitaine, je vous jure. Je vous jure, mon capitaine, que sur ma main droite, que je n'étais pas au courant. Oui, bah de toute façon, vous êtes commissaire, va falloir enlever le badge au chien, parce qu'il est devenu maire. Donc c'est à vous de le faire, parce que vous êtes commissaire. Salle de meeting ou de briefing? Briefing. On va monter l'Insday et... D'accord. Et Panis. Oui. Et on met en lieutenant Panis. D'accord, on fait comme ça. Eh bien... Vous faites votre discours et vous enlevez aussi le badge et de féliciter le maire qui est plus policier. Oui. Mais attendez, je vais avoir une discussion avec le maire juste avant. Le maire, tu peux venir s'il te plaît dans le bureau du bar? Oh, on n'emportera pas l'argent dans notre tombe. Donc là finalement tout ce qu'on a à faire c'est juste faire un petit passage. Salut, ça va ou quoi? Ouais, qu'est-ce qui... Ah putain! Ah c'est un bon plan! Allons à la mairie! Et je vais espionner! Salut Lucie! Allons à la mairie et je vais espionner. D'ailleurs, il y a les deux Vagos, si on les suit et qu'on les prend en otage. Salut docteur, c'était moi normalement, votre création parfaite, mais vous m'avez remplacé. Ah c'est parfait! Jouer la carte de la provocation. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut me faire du mal. C'est bien, t'as quelque chose là, continue, il faut que tu sois plus tremblotant. Pichon, yes. Oui, docteur Cox, vous m'entendez? Oui. Je suis à bord de l'hélicoptère là. Ok, super, on attend votre destination. Bah non, mais plutôt vous dites-moi où ça vous arrange, faut que ce soit discret cependant. C'est votre pote là, le roux des familistes qui m'a dit qu'il devait m'envoyer quelque chose. D'accord, d'accord, bah vaut mieux que je vous file l'hélico quand vous avez les molos, ouais, d'accord? Mais dès que j'ai sa position, je vous donne ça, ok? Ok, ok, ça marche. Ok, bon les gars, écoutez-moi, Pichon est dans un hélicoptère, l'hélicoptère il est pour nous. On a les familistes qui vont nous livrer une caisse de molotov, ok? Il m'a demandé 5 minutes le temps qu'il récupère tout ça. Dès qu'on a ça, on va récupérer les molotov, j'envoie la destination à Pichon, on récupère l'hélicoptère et on y va, ok? Parfait. Allez. C'est vrai. Oh, par contre le capitaine il a du mal à encaisser le coup quand même, j'espère qu'il est pas if quand même. Oh, regardez, il se met derrière comme... Bah oui. Quelle image. Oh, c'est triste. Non, cette image, elle est marrante. Oh capitaine, ça va aller? Oui, ça va, ça va. Oh là là, petite mine, hein. Mon capitaine, vous pouvez... Vous m'entendez, mon capitaine? Ah, ça va pas, il en a gros sur la patate, le capitaine. Mon capitaine? Oui? Vous pouvez venir, s'il vous plaît, non? Quand même. Vous faites votre discours d'abord, non? Bah non, venez à côté, quand même. C'est votre commissariat, non? Ah non, c'est le vôtre, hein. Y'a tout le monde là? Attends, passe doucement, fais le tour, ok? Doucement, doucement, soit conduis comme... Regarde-moi ce plan guet-apens là. Oui, y'a beaucoup d'argent sur moi, ça sent pas bon. Non, on doit refuser, docteur. Non, 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 on va pas refuser, attends, non, non, ça, si jamais c'est... Y'a pas d'hélicoptère, docteur, ici. Non mais y'a pas d'hélicoptère, évidemment, l'hélicoptère il arrive, et là on vient récupérer juste les molotovs. Garde-toi sur le côté, on va y aller discrètement. Je pense que Hermana devrait y aller toute seule, vraiment. Bien sûr, c'est moi qu'on veut buter, c'est moi qui vais y aller. Mais personne veut te buter, Hermana. Je vais venir avec toi. Hey, viens avec moi, il est. Go, viens avec moi, on y va tous les deux. Donc ouais, laisse-moi t'expliquer. Lucie, elle a plusieurs personnalités, ok? Ok, c'est quoi cette personnalité? Alors, la Lucie qui est toute fébrile et celle qui tremble comme une espèce de petit chat apeuré. Ok. La deuxième, c'est un gars qui est un peu plus sûr de lui, il s'appelle Ted, ok? C'est okay. Un mec qui, en gros, c'est un gars qui est dans sa tête et qui a des grosses couilles. Et c'est un peu sa partie passionnelle, c'est la partie qui agit avant de réfléchir, d'accord? Ok. Il faut lever la ceinture. Merci d'avoir suivi Rose Airline. Oui. Félicitations. Félicitations. Salut. Bon, Daniel est dans le coma. On a perdu. Oh mince. Daniel vient de mourir. Il est habitué, je pense. Hein. Oui, le champagne, ça monte à la tête. Bonsoir. Mais c'est où l'alcool? Il est où le buffet? Quand ils vont savoir qu'on a donné de l'alcool à des mineurs... Non mais... La police, ils le savaient, là, on est foutus, là. Non mais vous inquiétez pas, je vais rien dire, c'est moi qui l'ont dit à moi, mais je dirai rien. Ah non mais nous, on n'y est pour rien, hein. C'est pas nous hein, qui avons donné de l'alcool aux petits. Non mais, tu sais... Mais quel officier, pardon, Abby. Ouais, bah oui. King, par contre, officier King, ouais. Merci beaucoup. Venez voir. C'est grâce à vous tout ça, c'est surtout grâce à moi. Merci. Et attendez, on arrive à rediscuter avec mon capitaine d'un truc. Ah. Ouais, ça se voit, il va peut-être me retirer le... Il y a un air moyen. Ouh, je suis officier. Vous avez bu un coup, mon capitaine? Non, non. Vous avez l'air complètement groggy. Non, c'est juste le coup que vous m'avez fait avec le maire me fait mal, quoi. Non mais j'étais pas au courant, mon capitaine. Bien sûr. Mon capitaine, est-ce que on monte Pen et Julien en sergent? Oui. Allez. Putain, ça n'arrête pas. Oui, docteur. Ouais, c'est moi. Vous êtes où là? Alors on est en train de se poser juste à côté du lieu que vous m'avez envoyé, docteur. Ouais, je sais pas, GG est venu en hélicoptère, on est en hélicoptère, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi Kido. Pichon, position GPS. Se rendre à la position. C'est là-haut, j'y suis presque. Hop, on est posé. Bien joué, Gégé. Vous pouvez descendre. Stoppez, calmez les circulations là. Bah oui. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il fout le docteur là? Béa, Béa, qu'est-ce que tu fous? Béa, Béa, qu'est-ce que tu fais là? Mais putain, t'as éclaté ce monsieur! Mais comment ça, c'est eux qui t'ont éclaté? Moi je l'ai fait sortir de la voiture, les autres ils ont roulé dessus, monsieur! Mais c'est pas possible! Enfin, Béa! Bon, hé, le docteur Cox, il veut qu'on se gèle, hein, je crois. Monsieur, moi, c'est pour ça que je fais du sport, hein, monsieur. Non, mais t'as fait... T'as raison, hein, si tu veux, t'en as deux autres avec lesquels tu peux faire du sport, là. Hé, pep, toi, là. Hé, pep, toi, là. Espèce d'enfoiré. Aïe! Béa, mais c'est moi ça! Aïe! Ah bah dis donc, ça a l'air de bien se passer pour vous aussi! Oh bah docteur, vous êtes là! Ah! Ok! Prenez l'hélico, laissez-moi! J'adore quand un plan se déroule sans accroc! Alors, je vous explique, monsieur Gérard, c'est qu'en fait, notre pilote a pris feu en. En ramassant les cocktails Molotov. Et puis ensuite, j'ai galéré, j'ai couru dans un tunnel pendant très longtemps, et là j'arrive, et je vous vois en train de vous faire tabasser par un pauvre connard avec une bagnole. Alors, merci pour l'hélico, mais... Mais pourquoi non, mais c'est très long à expliquer. Franchement, honnêtement, maintenant que je vois tout ça, je comprends pourquoi les familles sont en galère. Mais docteur... Un service pour le capitaine. Oh bah non, mon capitaine, vous êtes où? Attendez, venez. Oui, vous suivez. Vous êtes le nouveau capitaine? Commissaire. Bah, félicitations. Lieutenant Panis, vous prenez le lead du terrain, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pas de problème, commissaire. Vous avez des bureaux à vous? Oui, bah déjà celui-là. Pourquoi puis-je vous aider? Je voudrais que de la part du LSPD vous passiez une annonce en félicitant Liam d'être devenu le maire de Los Santos. Et si vous pouvez envoyer un message pour féliciter le lieutenant Kuk de sa promotion en tant que commissaire Kuk. Oui, ben oui, j'imagine que c'est important d'insister sur cette... sur ce point-là, oui. Hein. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Commissaire Kuk. C'est super. Eh ben voilà. Mais je sens qu'on va bien s'entendre avec les journalistes. Hein. Oui. Écartez-vous 2 secondes. Écartez-vous 2 secondes. Je vais faire un exercice de sophrologie. Il vaut mieux que vous restiez pas là. Il vaut mieux rester pas là. Non, c'est rien. Il a pas fait exprès, Ted. Il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Va le plus loin possible. Ok. Va le plus loin possible. On court, tout droit, en ligne. On va le plus loin, jusqu'à ce que je sois épuisé. Comme ça, tu feras rien du tout. Non, 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 tout droit. Le service LSPD félicite Francis Kuk pour avoir catapulté au grade du commissaire de la police. Bravo à lui. Ouais, bravo à lui. Bon, ok Ted, je t'autorise à te défouler, mais tu tapes aucun de nos amis. Ok? Ok. Vas-y. Excusez-moi, c'est un... urgence! J'ai besoin de me défouler. Vous devriez sortir. Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Sortez! Je vous conseille de sortir. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Tiens, sale, Ford de merde, qui pue la merde, j'en ai marre de cette fille de... Un cul. T'es dans le corps d'une gosse de merde qui fait que de la merde. Oui. Oui, bonsoir. Bah, vous vous êtes retiré de la police ? Non, je fais ma petite fin de service et je vais boire un coup. C'est la première fois que je vous vois en civil et dans cette voiture ? Oui. Ouais, pourquoi du vert là ? Mais non, 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 c'est la orange la sienne. Non, c'est la verte. Ah, c'est la verte la vôtre ? La vôtre ? Elle a toujours été verte depuis le début. Avant vert. Que les familles arrivent. C'est vrai que le choix de couleur est un peu dommageable. Il va falloir que la change. Ah, je vais pas vous mentir qu'il y a quelques petits jaunes qui vont débarquer bientôt pour discuter un petit peu. Mais vous êtes hors service. Oui, bah oui. Et parce que si messieurs les jaunes arrivent et qu'ils voient la voiture verte là, j'ai peur qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Il y a moyen qu'il y ait plus de roues à la fin, effectivement. C'est Francis. Maintenant je suis capitaine de la police. C'est pas une invitation aussi celle-là. Elle est où Vanessa? J'aime le toque, elle m'aime, mademoiselle Vanessa. Je crois que c'est Nico là. Lucie. 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je m'explique. Alors, il y a Montazac qui a foutu un pain à moi. Et il y a Ted qui était vénère. Du coup, solution, personne autour. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle court dans la forêt tout droit. Elle s'est perdue. Et là, Ted, il a dit, allez, s'il te plaît, il va falloir que ça sorte parce que sinon, je vais faire un dégât. Et j'ai dit, ok, bah, tape sur la Ford familiale. Et voilà. Ah bah du coup, est-ce que je peux juste... j'en ai pour 2 secondes, hein. Sac à merde! Sac à merde! Attention! Bougez-vous! Je suis dangereuse! Pourquoi, monsieur, vous voulez pas le soigner, monsieur? Comment vous le dire? Vous voyez là, j'ai Hitman de chez Lidl qui veut me casser les couilles. Mais j'en ai rien à foutre de vous, vous êtes juste un papy à la retraite, personne s'intéresse à vous, votre vie est lamentable. Mais bien sûr, mais calmez vos strings, je suis là. Calmez-vous. Non, mais attendez, vous avez de la chance encore un peu, vous y passez. Un vieil homme qui est à terre et vous le laissez mourir parce que vous avez peur d'un homme chauve, c'est quoi ces conneries là? Pour protéger mes collègues. Vous allez bien, frère? Mais non, je n'y passerai pas. Lucie, attention! C'est elle! Laissez-la pas s'approcher de moi! Laissez-la! C'est les cheveux bleus! Les cheveux bleus! Je la reconnais! C'est qui ça? Pichon, Pichon, suivez-moi, suivez-moi, Pichon. Oui, je vous fais les clés, attendez, ce sera fait, parce qu'avant qu'on me foutre dans la merde. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Alors écoutez, là vous voyez, en fait, c'est Ailey. Et elle joue, elle peut se déguiser en une Lucie parfaitement crédible. Ah. Attends, Lucie? Ouais. Oh putain. Je crois que la police n'a pas trop apprécié, ils ont dit c'est quoi ce bordel et ils sont partis. Voyez, il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. Ah, c'est vrai ça. Mais là on va... Oh putain, j'ai une expérience traumatique, je me vois par terre. Oh merde, vous voulez qu'on en discute? Je suis psychiatre, si vous avez quelques dizaines de séances à 1000 balles de... Avec tout le respect que j'ai pour moi, vous avez assez discuté ce soir. Ouais, allez, allons-y. Écoutez, allez-y, allez-y, on nous attend. Ok. Faites attention à vous, frère. Et dis donc, c'est impressionnant ce mimétisme. Vous avez vu ça? Écoutez, réfléchissez de votre côté et s'il y a quelque chose à faire avec ça, ça pourrait être sympa. Bien sûr, ça marche. Merci, docteur. C'est un plan et nous, on va faire autre chose dans le train. Allez, c'est parti. Merci. Ça va, mon petit GG? Ouais, mais ils m'ont fait peur, là, avec l'autre, là. Vous savez que là, vous êtes en train de faire une énorme erreur de me laisser conduire en hélicoptère. Écoute, c'est toi qui as dit que... Alors, attention au câble au-dessus, j'espère que ça risque rien. J'en sais rien, on verra. Allez. On vole. Et attention à pas le planter. Oh, quelle affaire bien. Ah, j'appelle Bébert. Ouais. Ah, c'est bon, avec GG on arrive, on est sur la route, monsieur. Attendez, laissez-moi rouler un joint, comme ça au moins je me... Ouais, tu rouleras mieux avec ça. J'ai envie de sauter. Monte que je saute. Ne saute pas, tu vas juste te péter la cheville, on est juste au bord du sol. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est dur de conduire un hélicoptère ou pas? Dépêche-toi. Ah mais Juan, fous-lui la paix, merde. Mais ça fait 200 qu'il y a nos bassines et ils sont... Mais... Son permis d'hélicoptère. C'était un tas de cendres il y a 5 minutes, fous-lui la paix. Et il n'y a aucun cocktail. Il balance quoi? Mes chaussures. Attendez, mais les cocktails, ils sont où? C'est beau qu'il les ait dans la poche. Tout ce que je vous demande, concentrez... Vos gueules et concentrez-vous 2 secondes. Tu fais décoller l'hélicoptère, tu vas te poser dans un champ, je vous file des cocktails et molotov, on s'entraîne juste 2 secondes à les lancer, et ensuite on y va, pour de toute façon la maison elle sera vide, il y aura plus personne, ils sont probablement partis depuis 1000 ans, ils ont déménagé dans la ville d'à côté. Soulève l'hélicoptère. Ok, on y va. Oui, Lucie. Oui, je veux bien faire niquer sa mère à cette voiture, pardon, excusez-moi, ça va docteur Maison? Je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Comment ça? Le docteur Cox. Je l'ai vu, et apparemment il utilise quelqu'un qui vous ressemble pour ce qui se fait passer pour lui, pour Lucie, pour vous. Ok. Et il essayait de faire peur à Pichon avec ça. Ok, ça marche. Donc, faites attention. Les gars, on a un problème. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux parce que je devais réanimer monsieur Pichon, docteur Cox. Ok, j'arrive, merci docteur Maison. Vous êtes où? Vous êtes à l'hôpital? Non, c'est pas à l'hôpital, c'était dans le sud de la ville, vous n'y allez pas. Ok. Juste quelqu'un les mêmes cheveux que vous. D'accord. Je pense que je... Ne vous inquiétez pas, je suis protégée. Voilà, restez, soyez prudente et n'approchez pas les pichons dans ce cas-là, d'accord? Merci. Attention. Ok. Vous avez dit que j'étais le max de l'intelligence ou pas et que personne me croyait dans cette ville de cul? Et là, qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Bah... Bingo, vous voyez la meuf qui me ressemblait, qui a pris le même pub que moi, là? Ouais. Bah, elle se fait passer pour moi et elle va terroriser des gens et notamment les pichons. Elle a essayé de les tabasser en disant que c'était moi, cette espèce de merde, de connasse, de chienne, de... Ah, merde. C'est la sbire des cops. C'est beaucoup d'insultes, tout ça. Patron, et ça, la soirée va être longue. Oui, ça va être très long. Ouais. Voyez, me l'aimer comme ça. Pourquoi fallait que ça soit la seule fille qu'on protège dans la ville? Fallait qu'ils prennent elle pour faire ça. Hein? C'est pas. Et après, on me dit. Pas nous, on décide, patron. C'est pas nous, on décide. Lenny, oh, Lenny, pas être violent. Lenny, ceci, Lenny, cela, Lenny, truc. Patron, vous voulez tirer sur la voiture qu'a rien fait, allez-y, sortez, tirez sur la voiture. Non, non, vous calmer. Si, tout ça, tirez sur la voiture. Non, je suis plus énervé, j'ai passé le stade. C'est bon? Ouais, je me masse les lobes d'oreilles. D'accord, où ça? Où ça? Allez, patron, on y va. Les lobes d'oreilles. Patron, c'est parti, Guigui. Ouais, mais on va pas laisser Lucie au milieu de la route. Il l'emmène dans le hélicoptère, t'inquiète pas. Ah, on va voir mon bouillac. Mon bouilloumac. Mon bouilloumac. Mon bouillac. Mon Toubadat. Mon Touyac. Allo, oui. Monsieur Boyd, c'est Donatien Montazac, vous n'êtes pas revenu? Si, j'arrive, j'ai changé la couleur. Ah, très bien, parce que effectivement, je me disais ça pouvait nous apporter quelques soucis, quoi. De quoi? Bah, vous savez très bien, il y a mes chers amis qui vont débarquer prochainement et s'ils voyaient une voiture verte sur le parking, ils se seraient peut-être posé des questions, quoi. Ouais, j'arrive. Merci beaucoup. Allô? Oui, mon capitaine, vous êtes où? Je vous félicite, comme on a été mis. Tout a été mis sur Weazel News, tout le LSPD vous félicite en tant que le commissaire. Félicitations, commissaire Kuk. Ouais, désolé, on a croisé Lucie sur la route. C'est pas dans les mains, pas de panique. Oui, non, bien sûr, je vois une arme, j'ai le réflexe, hein, bien sûr. Oh, non, c'est pour vous, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas aujourd'hui, tout va bien. Ça va dans l'effort. Aujourd'hui, on est dans l'effort, c'est pour ça. Ouais, je vais fermer la voiture. Aujourd'hui, on est dans les emmerdes. Bonjour, cochon. Oui, capitaine. Pour vous dire, je vous félicite d'être lieutenant, vous le méritez plus qu'amplement et faites attention à vous, d'accord? Parce que vos amis peuvent vous trahir. Bonsoir. Le capitaine arrive, hein, je te le dis. D'accord. Ok, tu te mets dans un buisson. D'accord. D'accord. Ok, ça roule, merci. Oui, le capitaine passe effectivement pour prendre un peu de vin. Il est vraiment dépité de s'être fait remplacer par Kuk. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous vous êtes fait avoir par Kuk. Et vous savez comment le chien il a gagné? Bah parce que c'est Boyd qui a forcé les gens à le voter pour lui. Non, non. Ah? Non, non, le chien donnait 10 000 $ à tous ceux qui allaient promettre une voix pour lui. Ah, d'accord. Monsieur Boyd, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Vous passez une bonne soirée? Ah. Bonne, c'est un grand mot, mais... Ouais, j'ai entendu pour la nouvelle, je suis désolé, je savais pas que vous le prendriez aussi mal. Et d'ailleurs, ça sort d'où? Oui, pourquoi d'ailleurs? Bah, du maire. Hein. Oui, bien, mais... ça oui, mais... Vous avez fait quelque chose, pas assez de croquettes? Ah non, je sais pas. Et... Bah, en fait, ils tournaient toujours ensemble, hein, le lieutenant et le village, donc peut-être qu'ils ont manigancé ça. Hein. Et monsieur Kuk vous a rien dit? Il est commissaire maintenant, il est content, il est en train de le dire à tout le monde. Ok, tu vois les champs là, devant. Essaye de te poser sur un endroit un peu plat. Je fais en sorte qu'on meurt pas, mais on va sûrement crever. Hein, non, attends, ralentis maintenant. Lâche, voilà. Et maintenant, pose-toi tout doucement à droite. Comme une fleur, tu vois, comme une fleur qui atterrit avec un hélicoptère. Voilà. Doucement, doucement. Tranquille. Pas là où il y a des câbles. Allez, doucement. Tout en douceur. Voilà, comme une fleur. Voilà, allez. Tu es presque. Allez, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux y arriver. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Ah, j'ai réussi, j'ai réussi. Wow. Oui, éteins ça tout de suite. Allez, éteins ça, ouais. Ok, alors. J'ai des trucs sur moi. Voyons, j'essaye. Ok, c'est bon. Très bien. Qu'est-ce que tu fous à poil aussi? Ah merde, attends. Attends, on devrait pas redécoller avant que l'incendie se propage à notre hélicoptère. Mais décolle, 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 décolle vite. Est-ce que tu crois que tu peux réussir à te poser sur une de ces collines pour que je puisse... Ouais, on va essayer. Si, là, juste en bas, là. Doucement, 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 doucement. Doucement, voilà. Doucement. Super. Tu n'as pas atterri sur l'endroit le... Ah, putain de merde. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Prends un croissant. Je te rappelle, Jim, d'accord? Je vais voir avec eux. Ouais. Mais te mets pas en danger, s'il te plaît. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Vagos, du coup, par rapport à ce que j'ai dit là? Parce que ça va être la merde de fou, il faut que les gens voient que c'est pas moi, hein. Ouais, je sais, je sais. Et tu sais, t'as aucune idée, tu sais même pas comment elle s'appelle, cette fille-ci? Non, je sais pas, je sais juste qu'elle est avec le docteur Cox et qu'elle essaie de faire une mauvaise imitation, mais le problème, il est pas là. Le problème, si elle attaque des gens et les pichons, ça va être horrible parce que les families, ils vont essayer de trouver mon cul, premièrement, et de deux, si elle meurt, et ça, ce serait pas mal, mais ça serait pas bien pour nous, et bah il va y avoir une guerre des gangs parce que s'il y a des gens qui pensent que c'est moi, ça va être la merde de fou. Ouais, ouais, ok. Ouais, faut qu'on règle ce problème, Moi, on peut te laisser au domaine et moi, je peux partir à la recherche de cette fille justement pour voir ce qui se passe. Mais arrêtez, moi, je veux venir, j'en ai marre le cul là, qu'on me mette toujours sur le côté, soi-disant pour me protéger. Ok, bah alors on y va tous les deux. Oui. Alors écoutez. Ok, bah alors on y va tous les deux. Tu veux venir avec nous, Rose? Eh bah écoutez, bah, si je peux vous aider, avec plaisir. Ok, allez, c'est bon, c'est fini, on y va. Vous voulez pas que je me rhabille? Oh mais putain, mais il est complètement con, mais j'en ai marre. Mais merde. Mais Juan, c'est pas vrai, t'es fini à la pisse. Juan, putain. Elle a niqué l'hélicoptère. Mais non, tu as niqué l'hélicoptère. C'est toi, qu'est-ce que t'as foutu? C'est pas moi. Écoute, docteur, dès qu'on allume l'hélico, il glisse. Parce que les pales font glisser l'hélicoptère. Les pales font glisser l'hélicoptère. Mais si. Mais je vous promets. Donc elle a niqué l'hélicoptère, c'est elle. C'est cette abrutie d'elle malade des couilles. Comment on va expliquer ça? Comment on va expliquer ça? On casse les couilles, yambi. Attendez. Casse la gueule. Attends, pardon, c'est pas moi qui l'ai planté dans les merde. Mais dès qu'on met le contact, il glisse, idiota. Si, c'est toi qui l'as planté. Non, non, c'est toi qui as fait la connerie, t'assumes pas, espèce de merde. Mais non, mais tout est con, non, mais tout le fait exprès. Dès qu'on met le contact, les pales tournent et l'hélicoptère glisse. On ne peut rien faire d'autre. On va pas se poser sur une colline avec de la neige, c'est votre demande. Mais c'est toi qui... Oh là là, docteur, il me casse la gueule. Vous voulez pas qu'on aille à l'aéroport, on prend un avion et on se casse. Une voiture en bas. Regardez ce qu'il va faire, regardez cet abruti là. Oh putain. J'en ai marre. Elle est chouette. Mettez un molotov, pour effacer les preuves, docteur. Mettez un putain de molotov. Bon bah tout le monde est un petit peu bourré, monsieur Boyd, donc si vous voulez passer une bonne soirée, allez parler à droite à gauche, hein, je pense que okay. Vous... Ok, merci. Vous apprécierez désolé, j'ai eu le temps de dessouler, moi, du coup. T'as pas d'autres bouteilles? J'ai rattrapé un peu Daniel, je m'en sors mieux maintenant. Vous avez progressé? Oui, oui. Ah, vous ferez pas une petite démo, là, par hasard? Vas-y, Daniel. Bah, ça va peut-être spoiler un petit peu. Ah oui, ça va spoiler, t'as raison. Bon, vous verrez au spectacle. J'ai pas de soucis avec, mais il y a beaucoup de monde, là. Vous voyez, j'ai peur qu'on nous vole notre spectacle. Oui, vaut mieux peut-être attendre le jour J. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes bien changé, ça fait bizarre. Vous avez une belle veste. Merci. Ah, bah, c'est Bill Boyd. Bah oui. Oh, vous retenez bien sans l'uniforme? Ah, ça va, j'ai une grosse nouvelle qui est mal à digérer. Que le lieutenant Kuk devient commissaire et passe au-dessus de moi. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est votre rival? Bah non, non, mais juste que c'est moi qui lui ai tout appris et je pense qu'il a manigancé ça avec le lien. Vous pensez? Bah oui, c'est pas logique. Pour le lien, sachez ça. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est... Faut juste que la pilule passe, quoi, et que je la digère. Vous venez faire quoi ici, monsieur? Pour un coup. Oui, bah on a tous fait ça. Oui, c'est vrai. Oh non, je suis triste pour vous maintenant. Sachez en tout cas, si j'ai des problèmes, c'est toujours vous, j'appellerai pas. Oui, moi aussi. Capitaine, c'est vous? Oui, c'est moi. De toute façon, j'ai pas son numéro. Oui, vous êtes pas de service aussi? Bah non, non, vu que je viens d'avoir une grosse nouvelle, j'ai du mal à la digérer. Ah, votre mari a un peu manigancé tout avec le lien pour passer commissaire. Ouais. Quoi? Non, mais pas du tout. Non, mais bien sûr. Non mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'il aurait manigancé quoi que ce soit? Comment est-ce qu'il aurait fait ça? Ah parce qu'il est toujours avec le yinche tous les jours 24 sur 24, il passe maire et le yinche le fait monter commissaire. Non mais ça doit juste être que le yinche l'apprécie particulièrement. Il est là. Ouais. Capitaine. J'ai pas envie d'aller le voir. C'est pas cool, capitaine. Mais vous savez que le lieutenant qui vous ferait jamais ça? Oui bien sûr. Voilà. Mais voyons. On va discuter, on s'arrête tous. Ah bah, le lieutenant Kuk, je sais pas si c'est le moment. Hein. Bah si, c'est le moment d'aller lui parler quand même, ça fait une demi-heure que je... suis pas sûr, c'est bon. Mais pourquoi? Laissez-le discuter, il viendra lui-même, monsieur. Oui, il faut que la pilule passe. Oui, mais oui, mais je viens justement parler de ça. Vous auriez pas accepté le poste de commissaire si vous l'aviez reçu? Ah oui? Je veux dire, si j'étais à sa place. Ça, c'est parce que vous avez... Vous avez l'amour du terrain. Commissaire, ça a l'air d'être un petit peu chiant comme travail, non? Laissez-lui 2 minutes avec la psy, qui fasse un bilan, qu'il soit à tête posée, et il vous parlera, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il ait quelques minutes pour lui-même. C'est pas bête, il faut juste un petit moment, vous discuterez après, et quand lui sortira après, c'est lui qui est fâché, pas vous. Moi j'ai l'impression qu'il m'a dit qu'il était très surpris de ça. Hein. Vous y croyez? Moi je crois en lui, oui, je lui fais confiance. Ah, le problème c'est qu'ils sont tous les jours ensemble, 24 sur 24, il devient maire et il y a ce changement. Oui, mais c'est une question. Alors, du coup, c'est peut-être une question d'affinité, mais dans ce cas-là, c'est au yinge qu'il faut en vouloir, pas au lieutenant. Je pense qu'on m'a dit que c'était une manigance. Hein. Pas mal de personnes qui m'ont dit. Oui, mais moi, j'essaye de venir justement pour arranger les choses. Et lui donner ma place. Oui. Ah, vous lui donnez la place? Ah, bah oui. Et qui vous l'a dit? Les gens qui sont proches des opposants politiques, de tous ceux qui voudraient que les élections soient refaites et que ce soit eux qui soient élus? Aucune idée. Mon capitaine! Attendez, mon capitaine! Écoutez-le, monsieur! Monsieur, écoutez-le, c'est important! Attendez, confiance. Oui, attendez. On va les aider. Attention! Vous devez me monsieur Kuk, lâchez-le. Mon capitaine, prenez ma place, mon capitaine. Si, prenez ma place, mon capitaine. Non, je veux plus. Pourquoi? Attendez, on va réparer tout ça. Tu croyais que ça allait être très émouvant, si tu l'avais mis gâche tout là. Bah oui. Faites le carter, vous prenez ça au niveau du domaine là. Non, mais on peut y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ah c'est bon monsieur. Les deux otages pour la banque. Les deux otages? Bonjour. Otage professionnel ici. Bonjour, enchanté monsieur. Vous êtes? Tom Zimmermans. Je suis arrivé en ville tout à l'heure. Oui, et vous commencez par être en otage? Ouais, c'est-à-dire que nous avons rencontré certains de vos amis ici même. Nous cherchions mon frère et moi, nous désaltérer. Et on nous a proposé ce rôle. D'accord, très bien. Ben, oui, vous serez payé, vous inquiétez pas. On va rester là, on va réunir tout le monde, on fait un briefing et on s'y met. Ça marche, ça marche. Ben, suivez-nous, monsieur Zimmerman. Allez, les amis, s'il vous plaît, l'approchez-vous. Allez, tout le monde, on se met en place. Ok. Bon. On va faire un braquage, on est très nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Les deux en blanc, vous serez des otages, vous serez des faux otages. Il y a deux solutions. Soit vous serez rendu aux flics, vous êtes au courant de rien, vous ne connaissez pas, vous serez libéré après, vous aurez votre part du gâteau. Soit vous partez avec nous à la fin du braquage et vous aurez aussi votre part du gâteau. Le plan il est très simple. C'est que ce soir, on va attendre le bébé. Ok, ce soir on n'est pas des enculés, on est là pour buter personne. Le mieux ce serait qu'aucun coup de feu soit tiré. Ok, vous avez tous des armes au cas où, ça part en couille. Mais le but c'est de tout gérer à la négociation. C'est la raison pour laquelle Gérard, tu seras négociateur. D'accord. Donc, t'as déjà fait une négociation Gérard? Non, non mais moi je suis plus à l'aise avec les négociations business. Ouais. Ouais mais ça va le faire, c'est du business. Dis-toi que les flics... Et écoute Gérard, je vais te dire tous les arguments qu'on a. N'hésite pas à les noter parce que ça va être toutes les cartes que t'auras à jouer. Donc primo, t'as deux otages. Deux otages, les flics, tout ce qu'ils veulent, c'est leur vie, qu'elle soit saine et sauve. Ensuite, on y va avec un blindé du LSPD qu'on a volé il y a quelques semaines. Donc c'est une monnaie d'échange, ils voudront le récupérer. Oui. Ensuite, la dernière des cartes, c'est que la banque, elle sera entièrement piégée au C4. Et ça, c'est quand on voudra partir, on dira, écoutez, on va tous monter dans nos voitures, on va partir. Aucune voiture de police ne poursuit pendant les 10 secondes. Sinon on fait péter la banque. Ok. Ensuite, bien. Les pilotes. Luigi, tu pilotes la voiture blindée, la shafter. T'as déjà les clés. Ouais. Ok. MT, tu pilotes le blindé. À l'allée, là. Je parle de l'allée. Ok. Jim, tu pilotes ta revolter. Ok. Et moi, je pilote l'autre revolter. C'est les voitures noires assez longues pour ceux qui n'auraient pas le nom. Au départ, je pilote la revolter. Jim, tu pilotes la revolter. Et MT, tu pilotes la shafter. Deux par voiture au minimum. Tout le monde en voiture, on va à Forum Drive, le QG des familles et on décolle. Oui. Mon capitaine, on peut parler, ça y est? Oui. Pardon. Allez-y. Mon capitaine, c'est vous qui méritez cette place de commissaire. Non, c'est trop tard. Non, c'est vous mon capitaine. Trop tard. Mais pour... Il fallait refuser et dire qu'on n'acceptait pas... Mais qu'est-ce que vous voulez que je refuse comme ça? Ça m'est tombé sur le coin de la gueule. Attendez, je l'aurais pas. Attendez, j'ai plus. Ah oui, bah il fallait m'en parler, nous en parler comme d'une famille, comme des amis, comme des colocs. Mais je suis directement embarqué et tout. Ah non, il fallait en parler en fait. Vous avez pas parlé, vous avez appelé Weazel News pour vous féliciter vous-même. Mais non, c'est important la communication, monsieur. Oui, non, on n'avait pas bien fait là. Exactement. Quand on est parti de la mairie, le Yash et Panis m'ont embarqué direct. Après, vous avez parlé à Weazel News. Mais non, mais ça c'est là, ça c'était à l'instant là, mais encore, c'est même pas moi qui leur ai dit. C'est même pas moi qui leur ai dit de publier ça, mon capitaine. Attention, attention de bouger. Faites attention à l'autre. Poussez l'autre. Attends, Daniel. Ah, bref. Là, je bois un coup et... Mon capitaine, on a besoin de vous, l'esprit. Et on aura encore plus besoin de vous en tant que commissaire. Très bien. Ouais, Marius. Ouais, salut Pichon. Dis-moi, t'es avec toute ta bande là? Bah ouais, enfin on discute au Unicorn, pourquoi tu me demandes ça? Écoute, il y a un truc qui me chiffonne là. Qu'est-ce qui te chiffonne? Il y a un truc qui me chiffonne un peu. Apparemment, il y aurait quelqu'un de chez vous qui s'habillerait comme Lucie en ville et qui raconte des cracks là. Quelqu'un de chez nous? Ouais, je sais pas. C'est ce qui se dit. Attends, les seuls qu'il y a chez nous, c'est Henriette et Béa. De quoi tu me parles? Mais écoute, j'en sais rien. Je te dis ce qu'on m'a dit. Bah oui, mais moi, Béa, elle est avec moi là, et elle est bien plus grande que la Lucie. C'est bien. Et Henriette, encore moins, tu vois. Non, mais ouais, je te le fais pas dire, je comprendrais pas tout ça, mais tiens, ça te dit rien cette histoire là? Non, ça me dit rien du tout, non, ça me dit rien du tout ton histoire là. Tu es pas en train de te foutre de ma gueule, Pichon, s'il te plaît. Mais non, mais tu me dis, est-ce que j'ai quelqu'un de mes gars, des personnes de mes gars qui se déguisent en Lucie là? Foutez-moi la paix avec Lucie. Non, mais attends, oui, il s'agit pas de t'énerver ou quoi, juste. Non, mais je suis tendu, Marius, parce que tout le monde vient m'emmerder à propos de celle-là là, alors que pour moi c'est de l'histoire ancienne. Ok, bon bah écoute, c'est tout ce que je voulais entendre, je te remercie, et j'ai pas oublié qu'on va boire un pot plus tard. Ouais, ça marche, Marius. Salut. Allez, à bientôt. Détends-toi, t'inquiète pas. Merci, ouais. Salut. Hola, hermano. Laissez-moi parler, docteur. Hola, hermano. Bonjour. Comment vous allez? Bah ça va, et vous? Si, bah on a connu des jours avec et des jours sans. Ah là, c'est le jour sans, là, c'est ça? Ah non, c'est le jour avec, hermano. Hein. Ah là, c'est le jour avec. C'est vrai que vous avez pas vu, les jours sans. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre ami qui est blessé? Bah oui, vous allez... Oh, calmez-vous, attention. Je voulais vous montrer ce que j'ai appris. Ouais. Et en plus, c'est dans la neige, vous êtes oreille. Hein. Oui, pourquoi personne ne veut soigner notre ami? Bon sang, elle est sous l'équipe. Bon bah, je vais m'occuper, c'est pas possible. Ils veulent pas s'occuper. Bah, je sais pas pourquoi, là, tout le monde nous fuit. Vous voulez pas venir? Ouais, je vais la descendre en bas là, sinon ça va. Mais qu'est-ce qu'ils ont, putain, au LSMS à nous fuir comme ça? On pue de la gueule ou quoi? Monsieur Cox, je crois que les historiques contre le SMS c'est vous. Mais j'ai rien du tout, c'est juste une bande d'incapables. Oh là là, c'est pas vrai. Eh ben la personne attend d'être réanimée, donc on est sur la position. Ah, très bien. Je l'avais soigné. Mais qu'est-ce qui vous prend à pas soigner les gens? C'est mal, vous êtes folle ou quoi? Mais c'est je fais soigner. Ah non, attendez. Ah non. Ouais, c'est nous la rendre, hein. Madame? Attends, on m'appelle. Qui? Ah tiens. Allô? Ouais. Vous avez fini de nous prendre pour un jambon là et faire en sorte que la gosse elle ait des problèmes? C'est quoi votre portable? Vous êtes des malades ou quoi là-dedans? Que la gosse ait des problèmes? Vous faites passer pour Lucie en ville, tout le monde le sait. Ah bon? Bah ouais, je l'ai un peu vu en fait, hein, avec son accoutrement de conne là. Déjà que moi j'aime pas le porter, quand je le vois sur quelqu'un d'autre, ça m'irrite un peu. Et c'est quoi le problème? T'es jalouse? Non, c'est pas une question d'être jalouse, c'est juste qu'à un moment donné, si vous me mettez dans la merde, vous êtes dans la merde. Écoute, bah on va voir ça, mais pour l'instant on fait rien de spécial, hein, Lucie, faut te calmer un petit peu. Non, y a pas. Alors déjà c'est Ted, merci, on s'est déjà rencontrés, à la base on m'aimait bien, on pouvait partager une bière et finalement je me retrouve avec un coup de canif dans le dos. Ah là c'est pas un coup de canif, écoute, nous c'est juste on a fait le tour des magasins, elle a adoré ton look et visiblement ça lui a tapé dans l'œil, elle a juste envie de te ressembler. Tu devrais être contente d'avoir une fan, au contraire, hein. Oui, et le look tes sons de bouteille dans sa grosse race de conne, c'est comment en fait? Ah bah ça tu peux essayer, mais par contre je te conseille pas, parce que moi je peux t'assurer que là la demoiselle en face c'est une version de toi sous crack, mais genre sous crack un peu vénère quoi. Oui, bien sûr, mais le crack en fait on n'est pas très lucide, moi heureusement j'ai un peu d'intelligence, enfin bref c'est pas le problème, pourquoi vous faites ça? Mais pour l'instant, écoute, là pour l'instant on a vraiment d'autres problèmes, on est juste en train de régler ça. Et écoute, on se balade. Lucie, tu m'emmerdes, t'as dit que tu voulais plus me parler, alors arrête de me parler. Non, mais écoute-moi bien. Eh. Oh l'enculé. Oh putain, messieurs, dames. Vous avez un petit bobo alors. Il y a un flocon qui est tombé dans le gauche. Attends, on met tous nos masques là, ça y est? Ouais, bon. Ok, Béa, mets ton masque. Ah t'es super. Ok, Jim va réparer sa voiture, il manque une portière, il arrive après. Donc on attend ça et on y va, on fait les choses propres. D'accord. Mettez tous vos masques, parfait. C'est bon. Ouais, on n'a pas de gilet. T'en as pas? T'as pas de gilet mon pote? Je vais t'enfiler un. J'ai pas de gilet. Je vais t'enfiler un. Ok, tiens. On y va, moi c'est Franck, à partir de maintenant c'est Franck moi. Ah bah attends, c'est la dernière fois que tu m'as dit ça, je savais plus quand t'appelais Franck, quand t'appelais Franck. Vous appelez avec vous appelez avec vos masques. D'accord. Smiley, cœur, corbeau, coche, bulldog. Ok. C'est qui est chaud? Smiley, c'est moi, c'est Liam. Ah bah Liam t'as dit. Putain t'es beau. On a marre de trop. Ouais. Ok, vous pouvez descendre, on décolle pas de suite. Ok. On attend qu'il aille réparer la voiture. C'est qui? C'est Thomas ça? Ouais c'est Thomas. Ok. Pour info, les seuls noms que vous vous donnez c'est le nom du masque. Yes. Ok, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de surnom, c'est le nom du masque. Sinon, accessoirement là, je viens juste d'avoir Lucie au téléphone, visiblement elle a vraiment la rage que tu lui ressembles. Et elle croit qu'on veut foutre la merde en se faisant... Ce qui est une bonne idée en fait, j'avais pas eu l'idée mais c'est vrai que maintenant qu'elle me l'a donné c'est pas mal. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, docteur. Ouais, c'est ça maintenant. En fait, le truc, c'est qu'on le faisait pas, mais elle nous a donné l'idée. Ouais, c'est vrai que c'était une super idée, on n'y a pas pensé, mais on pourrait genre foutre la merde en se faisant passer pour elle, effectivement. Oh putain de merde. Marius. Ouais. Écoute, je crois que t'es le seul mec censé... Attends, viens avec moi. Ouais, ça va pas du tout. Bon, dis-moi ce qu'il y a. La gosse, elle est dans la merde de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Cox, il se fait passer pour elle, avec l'espèce de craqueuse là avec qui il est, et il est en train de désanguer tout en ville. Je croyais que c'était les pichons. Non, non, c'est lui, et je comprends rien. Apparemment, ils ont essayé d'attaquer des pichons, finalement, les pichons ils sont pas. Je percute que dalle, les flics veulent pas aider, personne comprend rien. Et sauf que là, si elle tue des gens, c'est Lucie qui prend. Tout va bien, Antoine? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites tout seul là avec le sanglier? Ça va, j'ai envoyé des messages. Vous ça va du coup? Vous êtes en danger du coup encore? C'est possible, mais bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Tu me caches quelque chose? Non, rien du tout. C'est vrai? Oui, c'est juste me demander, je m'inquiète pour Lucie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond plus, et j'ai entendu qu'elle était de nouveau dans la mouise. Bah, apparemment c'est Ted qui a pris le dessus, là, m'a-t-on dit. Oui. Et elle a commencé à tabasser les gens avec des battes, enfin le classique quoi. Oui. Vous savez pas du tout où vous? Bah non, pas du tout, non, j'ai aucune information à ce sujet là. Ok, bon je vais y retourner vers Daniel. Ça va, vous ça va? Oui, ça va, c'est juste que bah... Il est pas impossible qu'il se passe quelque chose avec je ne sais qui, je ne sais quand, je ne sais où, probablement ici, donc faites attention à vous. Hein. Ah regardez, lisez. C'est ça la personne qui vous a enlevé hier, Antoine. Je voulais lui dire que j'étais au courant, mais Ted, il me laissait pas parler. Madame Tripac usurperait l'identité de Madame Lucie Hellman de source sûre. Madame Tripac serait mal intentionnée, mais il me casse les couilles, c'est pas vrai! Yo, vous entendez ici, docteur, qu'est-ce qui se passe? Mais il casse les couilles aux news, là! Putain, on fait rien, là! Oh là là, tout le monde... Eh, ça commence à me pomper le jour, là, que tout le monde suce la bite à Lucie! Bon, sérieusement! Vous voulez qu'on aille au Weazel News et qu'on les prenne en otage chez Cunard? Genre sérieux, oui, on peut y passer, larguer 3 cocktails Molotov et basta. Allez. Il n'y en était pas, mais ça me paraît risqué. Quoi? Bah alors, Docteur Cox? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces méthodes que j'apprends par les nouvelles? Mais il n'y a rien du tout, putain! Vous êtes quoi, là? Magazine de merde? Mais non! Vous me faites chier juste parce que la meuf avec moi, elle porte plus le monde! Qu'est-ce que vous en avez? Cassez-vous! Docteur Cox. Il y a une idée, docteur. Venez dans la voiture 4 places. Venez. Ouais. T'as bien, on va monter avec Ron. Vous écrit quoi sur les news? J'ai pas vu. Je vais te dire. Votre Lucie dit merde. On la prend en otage et on va lui mettre un coup de pression. Allez, c'est bon. Hein. Allez, mais il faut savoir où elle est, quoi. Pourquoi elle a fait quoi? J'ai pas vu. Bah, alors, elle a dit aux infos que tu te fais passer pour elle et que t'es mal intentionné. Mais j'ai rien fait. J'avais juste son pull à la base. Ouais. Coupe tes gyros, mon frère. Profite du brouillard. Ah, nickel. Ouais, c'était les docs. J'ai eu peur, il y avait des gyros au milieu de la route. J'ai cru qu'on fonçait droit sur les flics. Allez, on arrive dans la dark zone. Vous oubliez pas de boire et manger, hein. Je veux pas au courant là-dessus. Non, ça serait comme ça, monsieur. Allô? Ouais, je sais pas si les flics ont changé de fréquence, mais j'ai plus de contact, et la voiture qui était tankée au milieu de la voie, là, j'ai l'impression qu'ils nous suivaient. Ça roule. Allez, fermez vos voitures, fermez les voitures, vous sortez, vous fermez la clé. T'as fermé la clé? Je vais fermer la clé, ouais. La voiture, ouais, très bien. Dis donc, heureusement que je suis pas mère, je l'aurais engueulé pour tout ce qui casse, lui. Ok, allez, tout le monde dedans. Allez, vous entrez, allez, on entre. Et sois dans ton personnage, Auguste. Y'a pas de prénom ici. C'est bon, tout le monde est géré, t'inquiète pas. Qui n'a pas de menu, Attendez, on se concentre. Comment on peut choper Lucie? En lui brisant les couilles. De toute façon, Lucie, elle traîne toujours ou avec les Vagos ou avec les croûtes. Ou à l'hôpital. Ou à l'hôpital. Pour une cabine en son genre, c'est pas étonnant. Allez devant l'hôpital, on va faire le tour de la ville tranquillement, donc on va la chercher comme des grands et on y va. Allez, on va devant l'hôpital. Si. Une dernière chose, à partir de maintenant, il n'y a plus de téléphone, ok? Personne répond au téléphone. Un téléphone décroché, c'est une balle dans la tête. D'accord, très bien, présent. Comment je vais faire les négos? J'ai besoin d'un mégaphone ou quoi? Non, t'es où, Smiley? T'es là, tu vas rester avec moi vers la porte. Tous les autres, vous mettez... Ouais, Bulldog, pardon. Vous vous mettez dans la grande enceinte, vous faites peur aux gens, vous leur faites se coucher. Les otages, vous restez par ici et vous vous baladez. Oubliez pas, Green va faire péter le coffre. Il aura besoin d'une rotation continue pour remplir vos sacs. D'accord, ok. Bon, tu t'occupes de ça. Bon, j'y vais la première. Ça, soldat. Ouais, oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Vous êtes présente. On s'est veillé. Ouais, c'est prêt. Ouais, c'est prêt. Tu peux y aller. C'est parti. Ok, plus de téléphone maintenant, plus de téléphone, plus de nom. Toi, le casque. Ouais. Tu restes derrière. Tu restes derrière. Ok, ça marche. Tu te mets pas dans le hall. Oui, on sait. Merci, mec. J'ai un sait. Allez, tout le monde dans le hall. Tout le monde dans le hall. Personne ici. LSPD, est-ce que vous m'entendez? J'arrive, guys. C'est vrai, ils ont fait sauter le coffre. SPD, sortez devant! Sinon, on va faire intervenir le SWAT! Si vous voulez un négociateur, je veux vous voir! Ok. Je vais juste lui initier les négociations, d'accord? Je vais traverser la rue les mains en l'air. Pour lui expliquer qu'il va s'amener jusqu'à l'escalier pour négocier. Ok? Ça marche, j'attends. S'il y a quoi que ce soit, c'est Green qui prend la suite du plan. Ok, ok. Qui veut faire la déco? Ah, je suis pas là. Okay. Moi je suis prête. Allez-y, Lindsay. Attendez, je baissez les bras, hein, et j'envoie les, je vous envoie le mégaphone. Il y a un officier qui arrive pour la négociation. Si vous le prenez en otage, si vous le menacez, on interviendra avec le SWAT. Tu as ADR, c'est sur toi? Non, j'ai plus rien. Est-ce que pour avoir du soutien du commissaire, capitaine, etc., c'est quand même une Pacifique là? Oui, Panis. Oui. J'ai tout avec le capitaine, il y a un Pacifique. Je sais, mais là, le capitaine boude et du coup, je suis parti avec lui régler une histoire du LM là et j'arrive, je redescends tout de suite. Il y a une Pacifique là. Mais oui. Il y a une Pacifique et j'ai eu un appel en disant dans la ville c'est la merde. Mais oui, c'est la merde depuis que vous êtes parti, mon capitaine. Il y a des voitures qui se promènent, il y a des révoltaires qui se promènent en ville et qui tirent dans tous les sens. Non, il faut juste que vous alliez voir le. L'adjoint-maire pour enlever ce poste. Ça sert à rien. D'accord, d'accord. À vous de gérer ça, c'est pas moi, c'est vous la politique oui, maintenant. D'accord. Moi ça vous doit, vous étiez trop content. Bah ça, je dois vous avouer que ça m'a fait plaisir sur le coup quand même, mon capitaine. Oui, bah normal, moi je pensais que vous étiez au courant quand même. Bah non, pas sûr que non. C'est votre première heure de commissaire et vous n'arrivez pas à gérer quoi. Bah non, parce que moi je m'occupe de vous, mon capitaine. Et vous n'avez pas à vous occuper de vous, en fait, moi j'étais juste en fin de service, j'ai le droit de... prendre un petit fin de service d'une demi-heure, une heure. Non, parce que j'ai bien vu que vous avez boudé. J'ai pas boudé. Si, vous avez boudé, mon capitaine. Non, c'est juste que. Triste. Ah, j'étais triste parce que vous avez tout manigancé avec le lien, donc assumé. Hein. Mais non, j'ai rien manigancé, mon capitaine, quand même, croyez-moi, merde. Ouais, bien sûr, donc le lien, j'aurais fait ça comme ça. Tout seul. Bah oui, parce que le lien, je dois bien m'aimer. Oui, bien sûr. Ah, oui, c'est un toi, Mad Max, là, ton sac est plein? Non, il est vide. Eh bah, va faire un tour derrière, remplis-le. Ok. Excusez-moi. Ouais. Ouais. On est en cours de réflexion, mais on a des soucis parce qu'il y a des civils qui foutent la merde dans le périmètre. Ça roule. On le sait, on vous donne une réponse rapide. Pas de problème, merci. On vous attend, patient. C'est bon, tout ce qu'on veut, c'est ça. Du temps. Le LSPD est surchargé. Bah ok, c'est le moment. C'est vrai, ça doit être les familles. Ça. Non, reste là. Reste ici. Non. Allez, c'est parti. Merci. Tirez. Non, reste là. Ah, mais putain! Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, avance, Hermana! Je peux pas rouler, j'ai un problème là-bas, vous êtes là, je pense de ce coup! Dépêche, Hermana! Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi là! Qu'est-ce que tu fais? Alors, calmez-vous. Je vais faire craindre. Je vous jure, je bute tout le monde, j'en ai plein de cul, mais alors, vous mettez. Vous les mettez la même, alors, ça suffit! T'es braqué, putain, tu montes dans la caisse, tu vas des emmerdes. Lucie, allez. Lucie, monte. Lucie, t'es, j'en ai rien à foutre, je sais pas qui est là-dedans. Tu montes, à l'avant, allez, zou. On va faire un truc simple, Lucie, j'ai pris ton téléphone, tu n'as pas le droit d'appeler la police, tu comprends pas? Qu'est-ce que tu fous là? On t'a rien demandé! Pourquoi tu nous colles au cul? C'est pas possible là, tu mierda! Ferme ta gueule toi! C'est pas possible, tu mierda! Vous allez m'expliquer ce que vous foutez avec l'apparence de ma gosse là? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de merde? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mon problème, espèce de troufion! Bon, écoute, et je crois qu'elle a pas compris la situation. Il y a trois personnes armées autour de toi, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule comme ça? Mais tu penses que j'ai peur de mourir en fait? Je suis déjà mort de l'intérieur en étant dans cette gosse, je viens de crever de l'intérieur à cause de toutes vos conneries. Docteur, je vais me garer, je vais lui mettre une balle dans la tête. Non, écoute, tu vas pas lui mettre de la tête, essaye de te garer, une chose après l'autre déjà pour commencer, ok. Si, écoute. Allô? Miguel. Il y a Cox qui vient de récupérer Ted à l'instant là dans son véhicule. Y'a... T'as toujours Molotov au cas où il est. Y'a... Attends. Y'a Cox qui vient de récupérer qui? Lucie? Allô? Il y a Lucie? Max? Max? Lucie a été enlevée par le docteur Cox. Oh, mince, je me suis mis sur le téléphone, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave, raconte-moi. Ah pardon. Ouais, y'a Ted qui vient d'être capturé, donc Lucie qui était devenue Ted, qui vient d'être récupérée par le docteur Cox juste sous mes yeux. Donc sous tes yeux, d'accord. Voilà. Où ça? À l'hôpital. À l'hôpital, d'accord. On est à l'hôpital, ouais. Là justement, là je suis en train de monter en hélico, on va chercher à les retrouver. Appelle Devon, quartier hôpital, on cherche une voiture avec dedans... Voiture blanche, 4 personnes, Cox, les 2 sbires et Lucie. Devon il met tous ses gars armés jusqu'aux dents, go. Ok, c'est parti, on fait un tour en hélico, je te tiens au courant si j'ai des infos. Allez, on bouge. Ouais. Je viens avec vous, messieurs. Moi aussi. Oui. C'est la sergente Jency, yes. Oui, je suis avec vous, ouais. On a récupéré le blindé, très bien. Merci pour le pas en avant, on a retiré les R100. Très bien. Bon, maintenant, on va se mettre d'accord pour vous relâcher un otage, d'accord? Même si vous avez un peu l'air de vous en foutre, mais on va quand même le relâcher. Mais pas du tout, hein. Moi, je suis très impliqué dans mon travail. Hein. Le NCIS, c'est une vocation. Préparez-vous, à tout moment, ils peuvent partir. Hein. Ouais, je suis en position. De LSMS par l'expédient, on a un appel commun à l'intérieur de la banque. Ok, on va voir ça avec le négociateur. Non, les gens avec le maire toutou, je pense. Oui, bah là, honnêtement, c'est la guerre en ville, donc on va s'en parler. Je sais, oui. Mais quand ce sera plus calme, vous avez besoin de penser à vous, cher. Oui. Tout le monde est inquiet. À tout. Allez. Et allez, dépêchez-vous à prendre votre pompe, là. Mais oui, putain. Ouais, Lucie s'est fait kidnapper. Une voiture blanche, centre-ville. Voiture blanche? Ok. Ah putain, t'étais là? Ils vont changer de voiture assez vite, mais je préviens. J'ai eu une info du coup, Cox, il a capturé quelqu'un du LSMS apparemment. J'ai eu Rose au... Mais 48 Rose... Non, c'est pas le modèle, mais par contre, mais tout est gâché. Non, voilà. Et armé, hein. Ils avaient quoi comme arme? Si vous les chopez... La meuf, elle avait une caisse dans le dos. C'est un tour. À la mairie, elle avait juste un fusil. Je vous rassure, monsieur Marius, on est au moins 15 sur le coup pour la chercher en ville. Donc c'est avec eux que vous vouliez monter votre famille, là? Ah bah écoute, dans la famille, on accepte tout le monde. Hein. Descendez. Vous avez plus de téléphone, hein? Je sais même pas qu'est-ce que tu fous là. Tu sais ce qu'on faisait? Cox aurait encore kidnappé un citoyen. Alors, sur le encore, ils exagèrent un petit peu, et surtout, c'est toi qui es venu nous emmerder, hein? Alors, j'étais devant, et il y avait une voiture, point. Oui, et pourquoi t'es venu taper la pauvre Tripac? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, excusez-moi, hein, mais elle a quand même volé mon identité, et déjà qu'on est trois là-dedans, on a peu... Et oh je parle à moi-même, tu vas faire quoi? Mais arrête de dire que tu parles à toi-même, tu sais même pas de quoi tu parles, putain. C'est le chauffeur. Je crois que la voiture noire qui arrive vers vous, c'est potentiellement un chauffeur. Ça fait 2 fois qu'il passe. C'est bon, le commissaire, bien. Ok, très bien. Oh, je suis ici, je vais tenir derrière le camion. Ça doit être un véhicule pour vérifier la herse, je pense, justement. Ouais, voilà. Ok, bah dégagez d'ici, Non. C'est quoi les explosions? Aucune idée, ça a l'air d'être dedans. C'est quoi l'ordre de la mission? Ok, le patron de groupe 6, il veut la position si on la trouve. Ok. Devon, il dit quoi? Il a dit qu'il mettait ses gars sur le coup là. Qui c'est qu'en hélicoptère? Vas-y, on y va. Ceinture. Va vers le sud, je t'ai mis un marqueur. On va rien voir avec cette neige. Ouais, c'est... Je vais pas voler trop non plus, hein. J'ai quelqu'un qui est sur le toit, là, devant moi. Ce qui est prévu, c'est qu'il va prendre l'hélicoptère pour aller chercher deux personnes. Venez avec moi, suivez-moi pour l'hélico. On a un kidnapping en cours à l'hôpital. Ok, montrez-moi l'hélico où vous êtes. Ah bah tiens, voilà ta copine. Eh, viens. La version Wish, là. Salut, Lucie. C'est Ted. S'il te plaît, parce que le docteur est trop gentil, commence à me casser les couilles. Ça fait quoi d'avoir son reflet en face de soi? Est-ce que ça fait mal? Bah, pas quand c'est la version Wish, non. Version Wish ou non, t'as quand même une version de toi en face de toi. Non, t'inquiète, je C'est pas toi bien. Qui passe ton temps à t'apitoyer sur ton sort. Oh, la pauvre Lucie. Tout le monde la déteste. Personne ne m'aime, ce citrus. Tu sais ce qui était drôle? C'est que t'es tellement parano dans ta tête de psychopathe que c'est toi qui m'as donné l'idée de m'habiller comme toi. Ah bah voilà, voyez. On t'a raconté des conneries, elle l'a dit là. Bah oui, tu pousses les gens à te détester. Parce que chez toi, y a rien qu'on peut aimer. Du coup, tu veux me ressembler. Pas très logique, non? J'ai juste envie de te faire du mal. Regarde, ça fait une petite crise de jalousie parce que Dr Cox finalement t'a pas gardé. Mais c'est qui la version Wish au final? Tu sais, c'est juste ton apparence, mais toi t'es creuse, tu l'as dit, t'es morte de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait aimer chez toi? Alors figure-toi que personne n'a jamais rien aimé chez moi, c'est bien le problème. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous encore là alors? À faire chier les gens. Je me demande aussi. Moi je voulais juste me barrer, hein, à la base. Ok, vous réunissez tout le monde ici, on va être prêt à partir. Ok, je vais chercher des autres. Ça veut pas dire qu'on part, ça veut dire qu'on est prêt. Oh, vous savez faire ça, hein, vous savez conduire, hein. Ok, bah, c'est préférable là, parce que vu l'engin. Ouais, je vais me mettre devant, vous allez derrière. Tout le monde, venez là. Ok. Alors écoutez, on va monter dans les voitures. On le fait calmement, on ne court pas. On garde les armes en main, il n'y a aucun coup de feu qui sera tiré, d'accord? Vous partez. Vous roulez vite, mais vous roulez pas comme des fous. Le but, c'est pas de finir dans un poteau. Donc, l'otage reste dans la banque. La banque est piégée au C4. Il nous laisse 5 secondes pour partir, sinon ça pète. Vous attendez mon top pour partir la course poursuite. Allez, moi j'en veux deux avec moi. Bulldog, tu viens avec moi. Et Corbeau, tu viens avec moi. Allez. Ça sort, préparez-vous. Attendez mon top départ. Attendez mon top départ. Ceinture, ceinture, serviette. Top départ, top départ, top départ. Ceinture. C'est bon, c'est attaché. C'est bon, c'est bon. Ils ont fait péter, hein, ils ont fait péter. Allez, j'espère que ça va le faire pour tout le monde. Get down, get down, get down. Il y a un énorme, il y a un gros hélicoptère. Le Cargobob, il est pour nous. Hein. C'est pour nous. Puis fuyez, enfin, puis ton champignon, bordel. C'est un allié, c'est un allié. Oula. Allez, on les emmène directement en prison. Mais non. Ils ont cassé le cargo. Non, c'est que la dernière personne monte dans la voiture. Est-ce que quelqu'un est parti à l'intérieur ou pas la banque? Allez, on descend. On se charge, on fait quoi? Tu peux enlever ton gilet, tu peux enlever ton masque. Ça marche. Ok, Liam va me donner un point de chute, mais qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je vais brain l'hélicoptère, je crois qu'on a un peu trop bu avant de venir, hein. Ah mais je crois, dis donc, là on a eu le coup du siècle, la chatte du siècle, vois-tu. Et reste de la prison, de la banque, pardon. Attends, tu vois, stagiaire, comment j'ai roulé un truc de malade avec le blindé. Allez messieurs, montez dans le blindé, s'il vous plaît. Ok, on a 150 mallettes à nous, 3 félicitations. Bien joué. J'appelle le gym. On reste là ou on se planque, on fait quoi? On devrait peut-être aller changer les fringues comme ça, non? Bah non, on avait des... sous un Porsche. Ouais. Sous un Porsche. Ah, c'est les flics, quoi, là, déjà? Je sais pas, mais en tout cas, on va rester tranquille. Ok, c'est bon. Un hélicoptère hein. Bébert est safe. Okay. Bernard, Jim et tout arrivent uniquement s'ils sont pas poursuivis. Vous pouvez descendre, on peut se mettre en bas des escaliers. Ça marche. Si. Lenny, c'est Donatien Montazac au téléphone. Si, je sais, j'ai votre numéro. Des nouvelles non, on a élargi un peu les zones de recherche, on fouille un peu partout. Mais on cherche une aiguille dans une boîte de foin, donc vous êtes où, vous? Je suis en ville, justement, on cherche aussi... Ouais. Cherchez toutes les petits coins, les ruelles, les trucs, les bidules, vous cherchez tout de A jusqu'à Z. Apparemment, la voiture serait aperçue au sud de la ville, mais il aura pu très... Ouais, mais il serait très bien pu aller vers le nord. Il aurait très bien pu, facilement. Je vois. Donc là, on est en train de faire les docks des endroits où l'hélicoptère peut pas checker. Ok. Et tous les hangars à droite là. Ouais, bon bah tenez-moi au courant, je veux être là. Ouais, ça marche. Bah y a Marius aussi, donc vous inquiétez pas, on appelle tout le monde. Merci beaucoup Lenny. Pas de soucis. Très vite. Jamais on va le trouver. C'est vrai qu'on va ralentir un peu. Ah non, on va jamais trouver. La météo aide vraiment pas. Hein. Bon docteur, baissez un peu le son de votre voix parce qu'on vous entend de loin, d'accord? Et il va falloir que vous arrêtiez d'avoir pitié pour ce genre de truc. Okay, j'ai pas pitié justement. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec ça. Et ben on va gentiment lui mettre un coup de couteau. Mais ah putain. Vraiment, sérieusement? Mais oui, sérieusement, il n'y a jamais été aussi sérieux, cette putain m'a mis une gifle. Mais oui, non mais je sais, mais en fait on pourrait peut-être l'utiliser différemment, tu vois, si jamais on la retenait en otage pendant juste le temps de discuter avec elle pendant un petit moment, et pendant ce temps-là, Tripac va faire les conneries, Tripac va aller faire des conneries avec, en se faisant passer pour elle, et à ce moment-là, ça pourrait nous servir. Si jamais Lucie allait tuer un Vagos et qu'elle se barrait sans rien dire, tu vois. Donc à mon avis, soit il l'emmène potentiellement à la fonderie, et j'ai plus où aller cette putain de fonderie. Elle est là. Juste en face. Tu vas en face, là où il y a les fumées. Ouais, tout droit. Ok. Il y a l'air là. À l'entrée? Il y a là l'entrée, il y a... Je vais vérifier, reste là, il est vérifié. On n'est pas potes, toi et moi. Alors au pourquoi final, me ressembler si pour moi, c'est quoi le problème? Ah, pourquoi tu voudrais ma vie alors qu'elle est aussi éclatée que tu le dis? J'en ai rien à foutre de ta vie, j'en ai rien à foutre de toi, je pourrais même te mettre une balle dans la tête, que je te rigolerais au nez. Ouais, sûrement, mais sauf que tu mettrais la ville à 100 et instantanément tout le monde te tomberait dessus et ta vie elle s'arrêtera dans une demi-heure. Mais tu crois que la ville est déjà à 100, il y a tout le monde qui veut me buter, je suis la méchante de l'histoire. Du coup, est-ce que si je te laisse partir, tu vas continuer des conneries ou je dois te buter? Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Toutes les 5 minutes, j'entends parler de toi. Genre, j'ai l'impression d'être en primaire et que je t'ai volé ton goûter. Bah, désolé, Lucie est bien aimée par les gens, malgré ce que tu penses. Ça m'emmerde aussi, hein, parce que j'aimerais être tranquille, mais c'est pas le cas. Dans ce cas-là, Lucie, si ça t'emmerde, viens avec nous, réellement? Elle ne viendra pas, docteur. Bah, je sais très bien qu'elle viendra pas, évidemment. Elle n'est pas assez lucide. T'es où? Et continue le chemin de fer. Là, là, ah ouais, non mais je pense qu'ils sont pas là. Hein. Au cas où, attends, il est fini, il n'y a pas pour là. On aurait déjà dû trouver la voiture, je pense. Il est fini, tant que j'y suis, jusqu'au bout. Ah bah là, je suis sur le chemin de fer, je te vois pas. Si, j'ai continué tout le long. Ah si, je te vois, nickel. On aiguille dans une boîte de foin, putain. Vraiment, non, sérieusement. Ces deux cons là que tu m'as remplacé, franchement. Je sais que j'ai pas répondu, mais enfin quand même. T'es au courant qu'ils sont complètement craqueux et qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule, hein? Non, crois-moi, franchement, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est... Quand je parlais de famille, tu vois, ben je déconne pas. Non, c'est pas vraiment ce qu'a dit la gamine, elle avait l'air de dire qu'elle comptait que sur elle et qu'elle avait rien à foutre. Mais oh non, alors ça tu me feras pas avaler ça, crois-moi. Seulement au bout, 5 personnes. 5 personnes, seulement. 5 personnes au bout. 5 personnes au bout. Okay. Tout au bout. On arrive. Appelle tout le monde. Lenny m'a répondu. Il m'a envoyé une position GPS. Vas-y, on va. Je t'ai envoyé. C'est bon? Je t'ai envoyé. Ah, c'était par là où on cherchait. Ah ouais? Vous êtes fort, monsieur Donatello. Mais oui, vous avez un bon instinct. Oui, mais vers là où on cherchait hein, tout à l'heure. Hélico. Ah, c'est mon Bazac. Ouais. Ok, je reviens charger la carte. Si. Je suis le chemin de fer qu'on tape. Ouais, ouais, attends, je vais chercher la carte. Tout au bout du chemin de fer, il y a un hangar. Ouais, j'ai vu. Il veut juste le signal pour le taper. Il passe par le derrière, toi par l'avant et on tape. Ouais, mais moi ils vont me voir arriver à milieu. Hein. Je suis par derrière. Quand t'arrives comme une connarde par l'avant avec la voiture à fond. Ah non, ils sont. Tu veux que j'arrive avec la voiture, ils vont m'arroser. Hein. Vaut mieux y aller à pied. Hein. Putain, il y a mon Bazac qui est là. Oui, j'ai mon Bazac. Faut y aller maintenant là. Ok, on y va, go. Ok, on y va, go, on y va les filles. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on demande une rançon? Est-ce qu'on se barre après? Tu sais, y a personne qui en a rien à branler, hein, donc ta rançon, à mon avis... T'en as rien à branler, tu plaisantes, y'a la moitié de la ville qui m'a appelé pour essayer de te récupérer. Ouais, moi pareil. Ah, c'est moi qui comprends pas grand-chose alors qu'il comprend pas ce qui était un télé. Oh là. Oh. Ça va te là. Oh putain. Oh, ça tire. Oh, tiens-toi. Ouais, ça tire. Les mains, monte tes mains. Ça va Lucie? Y'a personne qui a été mort là? C'est Ted. Si, y'a Ellie qui a été touchée. Oh non merde, elle est où? Elle est là. Oh monsieur Juan Carlos! Qu'est-ce que tu fais là Donatien? Non, on était dans le coin. Quel hasard! S'inquiète aussi. Non! Ellie, je suis désolée. Ça va aller, t'inquiète. C'est sûr? C'est pas mortel? Non, t'inquiète. Elle avait un gilet, regarde. Elle est juste sonnée, t'inquiète. Ça va aller? Oui, elle est juste sonnée. Ah, bah voilà. Quel pathétique spectacle! C'est d'une tristesse. Ça c'est bien fait ça. Quel dommage. Lucie, ouais, ça va? Ouais, ça va. Viens avec moi. Bon, raconte-moi, ils t'ont rien fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Ted qui a géré. Pour une fois, ce gros con a réussi à les tenir en laine. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais ils avaient l'air intéressés par ce qu'ils racontaient. Ça va, t'y es pas blessé? Non, j'ai rien du tout. J'ai même pu leur proposer des clopes à ces abrutis. T'es sûr, hein, c'est pas l'adrénaline qui parle, t'y es pas blessé vraiment? Bah, ils m'ont menacé plusieurs fois, mais Ted en avait tellement rien à foutre qu'ils ont été déconcertés, je crois. Ok. Bon, tant mieux. Ouais. Ça va, Lucie? On a eu peur pour toi, Lucie? Ouais, ça va. Ah, ça a l'air d'aller, Attends, mais on va te laisser respirer un peu alors. Oh là, quelle affaire. Mais bon, là, c'est bien, ça va faire des belles rentrées. D'ailleurs, je me disais, si tu veux, on peut peut-être se réunir à mon appart plutôt que se réunir à l'Unicorn. Parce que les filles ne connaissent pas mon appart, monsieur. Je suis assez d'accord. Bah tiens, mets-moi le point, tu vois. En plus, tu vas voir, c'est la classe à mon appart. Ah bah, tu sais quoi? C'est une super bonne idée. Je sens qu'on va se faire un... Ah, remets-le, je l'ai enlevé. C'est une très bonne idée, ça, bien. Et en plus, il n'y a pas de voisin, monsieur. Ah ouais? Ouais, tu vas voir, si l'appart voisin, c'est le même, c'est pas comme ton petit Audi, hein, monsieur. Mais c'est pas un Audi, enfin, c'est un vieil immeuble, très charmant. Ouais, c'est pas un vieux Audi, hein, monsieur, moi, à l'intérieur. J'ai même une salle et tout pour mes armes et tout, monsieur. Ça rigole pas, hein. Bah ouais, ça tire, t'entends? Ah ouais? Chut. Putain, c'était qui ça? Oh regardez, il y a quelqu'un qui court là. Sois discrète, on est discrète. On veut pas de problème. LSMS pour LSPD. Chez nous, on a un type qui a 30 pochons de cocaïne sur lui. Il y a un corps juste à côté de vous ou pas? Ah, monsieur Maison, vous êtes là. Il y a une quoi? Il y a un corps là-bas et les deux au centre. Ici. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette mallette, Daniel? C'est beaucoup d'argent, mais je sais pas quoi en faire. Vous moi j'ai une petite idée. Bah, si vous voulez, je vous la donne. Faut donner à Donatello. Oui, oui, bah on vous la donne alors. Combien c'est? Il y a combien? 60 000. 60 000, bah vous me donnez 20 000, vous gardez 20 000 pour vous et vous donnez 20 000 à Antoine. Bah, c'était à mon argent au départ, monsieur. Ah, ah bah, bah gardez tout alors. Bah oui, mais du coup j'ai les poches trop pleines. Oui, donne, donne. Je vous donne les 60 000, comme ça il saura exactement où ils sont, quoi. Bon bah ok, alors... C'est sur le cadavre de monsieur Cox, monsieur. Eh mais du coup j'ai trop d'argent moi maintenant aussi. Ah zut. Ah oui. Oui, ça vous va mieux. Ça me va effectivement assez bien, effectivement. Oh la vache. Oh voilà. Oh la vache. Eh bah c'est pas mal. Oh là là. Oh bah, eh bah, bah comment t'as trouvé ça? C'est pas mal, monsieur. Ah ouais, bah putain, mais... Je vais faire le tour du proprio. Oh là 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 là. Ça, c'est un petit endroit, un petit setup, monsieur. Ah ouais, pour faire quoi? Pour faire du streaming. Du streaming? Ouais, alors c'est un concept trop drôle. Genre, il y a des gens, ils me regardent jouer aux jeux vidéo. Oui. Ils payent même pour ça. C'est con, putain. Pff, attends, regardez des gens jouer aux jeux vidéo. Non mais vraiment... Non mais vraiment, regardez, vraiment... Il faut vraiment être con quand même pour faire ça. Ils sont complètement cons. Et là, perte de temps. C'est là où on met les armes, monsieur. Ah bah oui, d'accord, évidemment. Eh mais attends, mais t'es Bruce Wayne là, avec ce que t'as... Enfin, t'es Bad Girl là. Ah ouais, attends, il y a des étages et tout, monsieur. Ah, vous êtes fatigant, je vous jure. C'est une belle soirée, hein. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Rien du tout. Un beau caquet. Ah d'accord. Ça va, Cox? Ah bah oui, ça va, mais pourquoi tout le monde nous tombe dessus, bordel de merde? Bah j'en ai aucune idée, c'est très étrange. T'inquiète un peu. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la ville. Non, oui, non, mais ils ont dû ratisser toute la ville, je pense. Bonjour, docteur Cox. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je crois que je vous embarque. Mais pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé au moins? Il s'est rien passé. Lucie nous a agressé pour l'hôpital. Elle est pas mal celle-là. Tu sais Antoine ce qui s'est passé hier? Bah c'est pareil, c'est littéralement la même chose, Et en plus, la seule différence, c'est que Lucie nous est tombée dessus à l'hôpital, elle nous a agressé parce que juste mon amie est habillée comme elle, elle nous a sauté dessus pour nous menacer parce que genre, je sais pas quoi, parce qu'elle a pété un câble, et là maintenant, toute la ville nous tombe dessus juste parce qu'on l'a amené discuter exactement comme toi. On était en train de discuter avec elle, elle pouvait partir quand elle voulait. Aucune idée de ce qu'on est en train de faire, on n'a aucun plan, aucune stratégie, tout le monde nous prend pour des génies du mal. Ah pas du tout, on vous prend pour des cons, y a pas de souci, Cox hein. Ah bah voilà, merci. De toute façon c'est pas nous qui la justice. Je suis là, Hermana, t'inquiète pas, je suis là. Je crois que je vais pas m'en sortir. Moi je sais pas, c'est juste que... Pourquoi vous venez ici, Antoine? Oui. Écoute, sache que t'as été le meilleur ami. Non, Hermana, tu vas pas mourir. Que j'ai toujours rêvé. Hermana, non. Tripac, non! T'as été le père que j'ai toujours rêvé d'avoir. Écoutez-la, c'est la dernière parole! Attends, laissez. J'ai un défibrillateur sur moi, aidez-moi! Mais crevez-moi, mais j'ai pas pensé. Elle va mourir, Hermana! Juan, il a fait les 400 que je vais mourir. Un médecin, vous avez besoin d'un défibrillateur. Sérieusement? J'aurais préféré. Essayez, docteur, essayez, continuez! Hermana, il était toujours aimé, Hermana! Moi aussi! Relève-toi! Tous ces moutons ne te méritaient pas, Hermana! Non! Docteur! Il y avait... Pouais-moi! Quelqu'un me touche! Accroche-toi! Docteur, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Si tu m'as rien marre, Hermana! Pour l'instant, c'est incertain, cher ami, c'est incertain. Hermana! C'est incertain. Non, Hermana! Docteur, je vais partir avec elle, je crois! Hermana! Relève-toi! Regardez pas ça, les côtes. Hein. Hermana! Antoine, allez avec moi. Antoine, allez avec moi. Non, Hermana! Hermana, il arrive! Toi, maintenant, tu veux m'écouter sérieusement. J'ai plus qu'un seul but dans la vie, c'est de te tirer une balle à la tête. Vous avez votre réponse? Je peux pas tirer! Du baston! Attention, attention, attention. Hop. Intubation. Baissez vos armes, que se passe-t-il? Constant check. On est sur un flatline. Vous voyez les croûtes, vous voyez les gens avec qui vous traînez. Voilà. Vous voyez vos amis là, les Vagos, vous voyez? Ta gueule! Allez. Ta gueule! Allez, courage. Tu ferais moins le malin si je t'ai détaché, connard. Tu ferais moins le malin si je t'ai détaché. Donatien, bouge, bouge, bouge de là. Ah, y'a Cox, il fait le malin. Non, mais bouge de là, c'est pas tes affaires. Ah, excusez-moi, hein, ça m'a dérangé. Hein. Ah, pardon. Allez, docteur. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, sergent, ça fait du bien. Vous m'aviez pas dit que ça faisait du bien comme ça, tirer. Non, je sais pas. Oh, ça fait du bien. Ils ont tué Tripac, Daniel. Oui. Ça va, les garçons? Non. Oh. Allez, maintenant, vous me suivez. Venez, venez, éloignez-vous de tout le monde, là. Allez, allez. Faut que j'ai transporté un LSMS en urgence, là. J'ai besoin du... docteur Marche... Docteur Maison a besoin d'une ambulance en urgence. Tu m'appelles et tu me dis quoi? Panis. Oh, arrête. Il a tué Tripac et il s'en fout. Il s'en fout. Les croûtes, venez, arrête, venez, laissez-les faire, laissez-les faire. Bon, j'ai jamais vu une droite pareille, c'était génial, mais laissez-les faire. Oui. Bon, je peux pas le frapper parce que j'ai une valise à la main, mais j'en pense pas moins. Docteur Maison, ça va? Cher ami, écoutez, Hailey est stabilisée, j'attends une ambulance pour la transférer en urgence. Ah, mais c'est pas... je pensais que c'était terminé. Non, je sais, son pouls est très faible, mais je ne sais pas encore. Mais alors, Béa, tu t'en charges? Ah, monsieur! Tu changes de tenue? Ah moi j'ai pas grand chose à monsieur. Faut pas qu'on te trouve habillé comme ça. Bah non monsieur, attends. Tu regardes pas hein. Non, je regarde pas. Tu penses quoi comme ça monsieur? Bah t'es bien comme ça. Regarde en plus on voit le tatouage monsieur. Ah ouais c'est vrai ça. Bah moi par contre j'aime bien les manches longues. Attends, j'ai... Tiens. Je vais avoir un petit peu froid monsieur si je sors comme ça. Là. Comme ça là, je suis bien comme ça. Ah on est beau comme ça monsieur. Je suis beau comme ça, voilà, c'était dans une autre vie ça. Eh ben merci beaucoup ma petite. C'est quoi votre nom tiens? C'est Béa, ma petite Béa. Béa, c'est quoi votre petit numéro tiens? On sait jamais. D'accord. Le numéro du coup c'est pas grave, c'est pour une prochaine fois. Dommage. C'était sympathique. Oh capitaine. Capitaine. Oui. Ça va? Non, ça va pas, non. C'est la merde totalement. Vous avez besoin d'assistance? Ouais, bah oui, j'ai plus d'assistance. Parce que on s'est proposé pour aider au commissariat, on a été jetés comme des vieilles chaussettes. Hein. Alors qu'on est comme qui dirait partenaire depuis hier. Ah oui, normalement, il n'y a pas de problème, logiquement. Bon. Mais en tout cas, vous savez où m'appeler hein, si vous avez besoin d'aide, hein. D'accord? Ah bah si vous avez envie, revenez, hein. Demandez. Hein. Bien sûr. Bah écoutez, on passera alors. Allez. C'était dans une autre vie, ça. Bon, moi, comment je vais me mettre là? Faudra qu'on aille faire du shopping après, mon petit papy? 800 millions volés dans la banque. Oh bah putain! Ça. C'est sûr qu'on a pris autant que ça, non, monsieur? Oh bah c'est pas mal, moi, je trouve, comme news. Je suis pas sûr qu'on ait pris autant, monsieur. Ah, mais tu te rends pas compte, la Pacifique, ça, les mallettes, ça vaut hyper cher, hein? Hermana. Oui. Relève-toi, Hermana, s'il te plaît. Il faut que j'aille me faire soigner, je suis blessée. Je comprends, mais relève-toi. Je peux pas me relever, je suis criblée de balles. Emmenez-la, s'il vous plaît, emmenez-la. Non, pour moi, tu des balles, je crois que c'est moi qui ai des balles. On attend l'ambulance, l'ambulance arrive. Il est juste à côté de l'ambulance. Elle est montée dans son ambulance pour suivre ma soeur et maintenant, je comprends pas. Ça va aller, madame Parker, ça va aller, madame Parker, sérieux, ok? Ça va le faire. Abby, elle a l'air assez affectée. Abby, est-ce que tu peux mettre monsieur Cox de la cellule de la voiture, s'il te plaît? Ouais. Juste là en voiture. Monsieur Cox, si vous voulez bien avancer. Pour en faire. Rentrez dans le véhicule, s'il vous plaît. Merci. Elle est vivante? Oui, elle est vivante. Ça va? Sérieusement? Bah oui, ça va. Enfin non, ça va pas. Oh putain. Il est ici, il m'attend à côté de vous. Il est ici à lui parler, elle est vivante. Monsieur, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Mais non, mais je suis un criminel. Vous descendez, s'il vous plaît, tout de suite. Est-ce qu'elle est vraiment vivante? Elle est vraiment vivante? Oui, elle est vivante, elle est vivante. On va se revoir, on va se revoir. Juan, on va se revoir. On peut monter avec elle? Oui, c'est bon. Ok, nickel. Bravo, docteur Maison, vous êtes mon héros. On y va, Kédi, on prend l'hélico. Allez, on va reprendre l'hélico. Tu sais, on a tellement tous tellement de thunes qu'on s'en tape d'avoir à 800 millions ou 20 millions. C'est vrai, monsieur. Il n'y a aucune différence, je crois. Être riche alors qu'on est au chômage, c'est quand même un concept assez sympa, monsieur. Ouais, c'est vrai, ça. Pas... Ah oui, t'es toujours au chômage. Ah bah, c'est comment tu crois que je paye ce palace, monsieur? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que... Ouais. S'il te demande... J'ai quand même une dévaleur pour une chômeuse. C'est pas mal, monsieur. Encore? Mais comment ça, assassinat, monsieur? Je sais pas. Monsieur Donatello? Oui. Vous savez qui l'a tué, Gérard Pichon? Bah non. Mais vous savez tout, normalement, monsieur. Bah là, je ne suis pas au courant, hein. J'apprends en même temps que vous, hein. Pourquoi Gérard Pichon est activé? Montez dans le camion, on a de la place dans le camion. Et pourquoi Pichon? C'est pas Pichon du tout, de ce que j'en comprends, non? Attends. J'ai l'impression que quand quelque chose va pas... Oui, Thomas. C'est quoi cette histoire, là? T'as besoin d'aide, Gérard? Je sais pas, Thomas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, Thomas. Vite! Est-ce que tu vas comme ça? Chut, une cité haute, viens avec moi! On va trop loin, ils vont jamais nous courir! Non, t'inquiète pas, viens! Ils nous cherchent! Il faut qu'on se planque! Les stagiaires sont à notre recherche! Qui va être à ta recherche? Les stagiaires! Les gars en gilet jaune! On a eu une embrouille avec eux. Du coup, tu te caches? Oui. Je veux pas qu'ils me chopent. Mais c'est toi ou c'est les gens qui sont avec toi aussi? C'est le petit gars avec nous. Il a renversé un des stagiaires et mon frère, il a tabassé un autre. Moi, j'ai rien fait. Mais je veux pas être pris dans leurs affaires, moi. D'accord, mais attends, on peut pas rester sous l'eau là. Viens. Dis-moi, hein, tu m'envoies ta position, je viens t'aider, même s'il y a des flics. Non mais... Enfin, Thomas, tu vas pas... Attends, là, c'est plus grave que ce que tu penses. Attends, je réfléchis. C'est compliqué, là, bien. Mais, C'est bizarre, toute cette histoire. Je sais pas trop là, je sais pas trop pourquoi je suis accusé de quoi, parce que quelqu'un est mort ce soir. Bah je savais pas, et peut-être... Attends. Comme quoi un otage avait sauté, monsieur. Attends, mais ça se trouve c'est la abrutie de Cox qui a dû fumer la Lucie et ça va me retomber dessus. Attends, j'appelle... J'appelle Jim, je sais qui... Bon, voilà. Ouais, papy. Ouais, Jim. Ouais. Dis-moi, je te demande pas ça Pour aucun mal ou quoi? Ta Lucie, elle va bien là? J'en sais rien, justement, je m'inquiète parce que justement, elle m'avait dit, il y a des doubles de Lucie justement qui traînent. Et c'était peut-être des doubles de papy en fait qui traînent en ville, ils se font passer pour toi et peut-être qu'ils ont commis un truc. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, Elle m'avait prévenu, Lucie, elle m'avait dit... Non mais moi j'ai rien à voir avec tout ça. Je veux juste être sûr qu'il y ait personne de mort là. Mais j'en sais rien du tout, mais apparemment il y a quelqu'un qui aurait été fumé par des doubles de toi et de Lucie. Comment ça, quelqu'un fumé par des doubles? Putain, mais quel abrutis, Dr Cox, qu'est-ce qu'il a fait encore? Bon, essaye de joindre Lucie, dis-moi si elle va bien, d'accord? Ok, ça marche. Oui. J'ai une idée, Gigi. Quoi? Bon, même si on va à la police ou qu'ils t'arrêtent et que tu dis que c'était pas toi, ils vont pas te croire, d'accord? Et tu peux pas leur dire, bah j'ai un alibi, j'étais en train de braquer la banque. Ah oui. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on mette en scène ton kidnapping, Gigi. Quoi? Ils peuvent pas... Bah, si t'es toi-même kidnappé, GG, ils peuvent pas dire que t'as kidnappé quelqu'un ou que t'as tué quelqu'un, monsieur. Il faut que je sache pourquoi ils me cherchent, en fait. Moi, je pense que c'est juste un quiproquo et qu'ils parlent de quelqu'un que Dr Cox ou quelqu'un d'autre aurait fait, monsieur. J'ai besoin d'avoir l'information, oui. Attends, chaque fois, ils te mettent tout sur le dos, petit GG. On a des unités sur le Capichon? Oui, on y est, oui. Lieutenant Brioche, Alfred Abigail et le maire. Ok, parfait. D'ailleurs, est-ce que vous avez son numéro de téléphone ou son adresse? Adresse, elle vient d'être donnée sur le répondeur et numéro de téléphone, je vous le donne. Oui, allô. Bonjour, agent Panis. Oui, bonjour. Gérard Pichon. Je vous appelle concernant l'avis que je viens de voir. J'aimerais savoir pourquoi et comment ça se passe. Pourquoi eh ben, en fait. Écoutez, venez au commissariat. Si vous avez rien à reprocher, on en parlera. D'accord. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de mort ce soir. Enfin, je veux dire, tout va bien, non? Bah, comme je vous dis, monsieur Pichon, venez au commissariat et on en parlera. Si vous avez rien à vous reprocher, venez au commissariat et on exposera les faits. GG. Très bien. J'ai des infos, GG. Merci, agent Panis. Oui, oui. Ok, très bien. Merci. Pichon vient de m'appeler. Au même moment où j'allais vous donner le numéro, il veut venir au commissariat se rendre. Pichon, on arrive. On arrive. On vous y est allé. Attention, je sais pas si c'est du bluff ou pas. Oui, je pensais qu'on a... Tu vas où, Gégé? Béa. C'est quoi cette histoire? Comment ça tu vas aller te rendre, Gégé? Je vais aller au commissariat et faut pas que tu viennes avec moi, tu viens de faire le braquage. Non mais Gégé, ah Bibi, la copine, elle a tout dit, hein. Qui ça? Ma copine au commissariat, ce qui me paraît, t'a appelé pour te dire que t'allais te rendre pour le... Non mais j'ai dit... ancien taxi, monsieur. Le meurtre d'un ancien taxi. Ah ouais, monsieur, à ce qui paraît. Eh hey, bonjour, mesdames. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Salut toi! Si, il y a une soirée. Ouais, désolé, excuse, attendez, un instant dessus, je... Oh là, t'es excité toi? Ouais. La fête est en train de commencer sans moi. Il y a un mec qui est chelou là. Il y a un mec qui est chelou, un peu de respect quand même pour les anciens. Vous allez où comme ça? Je vais à la boutique de déguisement là. Je vais à une soirée après. Ah, vous avez vu, c'est joli. Regardez ce que j'ai. C'est beau, hein? Non? Vous êtes pas très loquace, ça. Oula, bah vous me bousculez en plus. C'est pas très sympa, ça. C'est quoi votre petit nom? Moi, je vais pas rigoler avec toi, en fait. Ah bon? Bah, c'est pas... Tu crois que nous, on va rigoler avec toi? T'es agacé. Pourquoi t'es stressé comme ça? Mais on est en famille. On est les frères Pichon. Il faut que j'y aille bien. J'ai pas le choix, Béa. Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce qu'on va faire? Gégé, tu vas pas aller te rendre, Gégé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je sais pas, mais si tu te rends, ils vont te mettre en prison, mon Gégé. Ah oui, bah c'est peut-être que je mérite. Non, Gégé. Écoute, Gégé, moi je te connais, Gégé. Je sais que t'es pas comme ça, Gégé. Mais Gégé, Gégé, mon petit rossignol, Gégé, arrête-toi. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux, que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils vont te mettre en prison. Mais t'inquiète, on en sort de prison. T'inquiète, hein. J'ai déjà pris du mitard, c'est bon, hein. Mais mais t'inquiète pas, je vais sortir, c'est bon. T'inquiète pas, ils ont pas de preuves contre moi, Béa. C'est bon, on va mettre ça au clair, comme la dernière fois, t'inquiète pas. Je vais avec toi. Et la jeunesse, hein. Ah bah n'hésitez pas à prendre le temps de les prendre. Qu'est-ce qui se passe, Tidon ? Non rien, c'est juste pour poser 2-3 questions, vous inquiétez pas. Et on peut parler au docteur? Oui, vous allez pouvoir lui parler. Pour lui annoncer 2-3 nouvelles quand même. Écoutez, pour l'instant, vous allez surtout répondre à nos questions, d'accord? Et ensuite, vous allez retrouver le docteur. Il est où le docteur? Il est là? Oui, il va être là. Derrière, c'est des gens qui l'ont mis... Vous lui parlez pas tout de suite, écoutez-moi. Mettez-vous contre lui, s'il vous plaît. Mais il veut juste lui annoncer, s'il vous plaît, pour Hermana. Je ne sais pas, Ok, alors, on fait un deal tous les deux. Je vous laisse 30 secondes. Et derrière, vous coopérez complètement, ok? Oui, il compte coopérer, oui. Docteur, vous allez bien? Comment ça va? 30 secondes. Si, il était avec Hermana et elle va s'en remettre. Elle est où, là? Elle est à l'hôpital? Oui, elle est à l'hôpital, docteur. Elle va bientôt sortir et après elle va venir ici. Il va faire l'interrogatoire. Ok, on va se revoir. Ok, on va se revoir et on va régler tout ça. Ça marche? Il n'y a pas grand chose à leur dire, moi, la police, mais à part que c'est toujours les mêmes. Ouais, pareil. Mais t'inquiète pas, on va se revoir et on va discuter. On va régler. Et ce coup-ci, on va suivre tes idées, ok? Oui, mais c'est un peu tard. Ouais, non, mais t'inquiète. On va suivre tes idées maintenant. Si, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. C'est bon, monsieur? Allez-y, mettez-vous contre moi. Ça va aller. J'espère, Gégé, je veux pas qu'on soit séparés, mon petit Gégé. De toute façon, je pleure pas, Gégé. Moi non plus, pas non plus. On pleure pas, Gégé. Bon allez, hein, il y a du monde, hein. Oh, il y a un petit peu de monde, GG. Ah bah, il est là, mon GG. Ah bah voilà, GG. Ah bah c'est bon, je l'ai reconnu. Bah alors, GG, mais qu'est-ce que c'est cette affaire encore, là, qui nous annonce? Je sais pas, je sais pas. Mais on était tirés ensemble pendant les 2 dernières heures, qu'est-ce que c'est cette affaire encore? J'en ai aucune idée, j'en ai aucune idée, Berne. On va aller parler à l'intérieur, si vous dérange pas, baisser les mains. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, suivez-nous. Du coup, pas tout le monde, peut-être? Ouais, ouais. Papy, faut qu'on mette sur le chemin. Quoi? Papy, il y avait 2 meufs brunes qui étaient un petit peu en mission en mode repérage devant l'Unicorn tout à l'heure. D'accord, mais tu gères ça avec Liam, d'accord? Ok. Les plans, je vous laisse, attendez, faut que j'aille voir le journaliste. C'est vous qui gérez, non? Hein? C'est vous? Ouais, allez-y, monsieur, passez. Si c'est pas possible, c'est de l'acharnement sur nous-mêmes quand même. On était encore en arrière fait, on va finir encore une fois. Tais-toi, bébé, tais-toi. Fais profil bas, fais profil bas. GG, j'ai-t-il une nouvelle à dire à toi et à Béa? Quoi? Tu vois-t-il Henriette présentement? Oui, avec quoi? Eh ben, c'est devenu ma Renault 5, GG. Qu'est-ce que tu me racontes, bébé? Ben, je te jure, on a dit coquiné tous les deux. C'est devenu ma Renault 5. Est-ce que les salles d'interrogatoire sont prises ou pas? Il y en a des kilomètres. Vous avez eu l'info comme quoi on allait se faire kidnapper? Monsieur Pichon, enfin les deux monsieur Pichon, est-ce que vous pouvez venir avec moi s'il vous plaît? Je sais pas, je vais mettre ça au clair. À tout à l'heure, Mariette. On va les attendre ici. Venez. Et donc, on commence à bien les connaître ces locaux. Oh bah oui, oui, c'est une deuxième maison, j'ai l'impression maintenant. C'est clair, vous nous faites encore une visite guidée, monsieur Kuk? Oh non. Oui, attendez, poussez-vous, poussez-vous s'il vous plaît, poussez-vous. Mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît, messieurs Pichon. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, présentement. Je suis avec les deux en salle d'interrogatoire. Bon, allez-y, monsieur Panis, je vous dis, c'est vous qui avez plus d'éléments que moi, alors. Hein. On a reçu une demande d'avis de la recherche, monsieur Pichon. Oui, j'ai vu, Pichon, oui. 1 ou 2, je ne sais pas dans quel sens. Par les fédéraux. Votre véhicule, vous aviez une camionnette, monsieur Pichon? Oui, tout de même, on a une camionnette, oui. D'accord. Retrouvez, elle vous appartient, je précise, avec un cadavre dedans. Cadavre de monsieur Yann Allé. Vous connaissez un certain monsieur Yann Allé? Bah, on a eu... Vous vous souvenez, lieutenant, on l'avait rencontré, oui. Oui, le chauffeur de taxi. Oui, 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 il nous avait agressé, oui. Ah oui, c'est Tidon, lui. Oui, oui, bah oui, effectivement. Au vendeur de masques. Oui, tout à fait, c'est ça le premier jour, même d'ailleurs, je crois, Tidon. Je m'en souviens très bien, oui. Et c'était bien passé, la rencontre? Ah bah, bah... vous avez été agressé, donc ça s'est moyennement pensé, quand même. Comment tu t'appelles? Oh putain, il a un gueule. Oh là là là. Mais pourquoi il s'énerve? Non. Eh papy, faut montrer un peu plus. Oh là là. Oh là là, il est stressant. Oh là là. En fait, monsieur, pourquoi vous sortez une arme comme ça? On se calme, monsieur. C'est mon frère et c'est vous qui sortez une arme maintenant. Ah mais vous l'avez acheté au magasin de farce et attrape. Il est joli. Il est doré. Il est doré. Oh mon petit gars, ça suffit hein, ça suffit mon petit gars, je vais te mettre des patates moi, j'en ai rien à foutre là. Oh on est plusieurs hein. Ça suffit hein, dis donc. Hein, on respecte les anciens ici, non mais oh. Donc vous l'avez assassiné à ce moment-là, monsieur? Non, on est reparti, on l'a laissé avec le lieutenant Kuk. Non mais dis donc, y a-t-il des mots encore qui dépassent la pensée de certains ici? On n'a-t-il assassiné personne? Ah bah monsieur Gérard Pichon, c'était son véhicule, il y a un cadavre dedans pour C'était pas mon véhicule, non. Présumé coupable. Non, c'était pas mon véhicule, c'était le véhicule de Bernard, mais... Bah et donc, bah quoi que c'est, dis donc, ce véhicule, bah c'est... Oui, bah c'était ma camionnette. Votre frère Gérard, je sens que vous étiez à deux. Il y avait quelque chose à dire, je crois. À moins que du coup, vu que c'est le véhicule de Bernard, c'est peut-être Bernard aussi. Oh bah non, présentement, c'est vous. Bernard, vous avez une affaire florissante, non, ça serait dommage. Bah oui, moi, l'Unicorn, le lieu de fête et de fesses, oui, oui, présentement, c'est bon, moi j'ai... Ça serait dommage de perdre la fête et les fesses, monsieur Pichon. Ah bah, complètement, mais moi, je suis blanc comme une oie sauvage. Et même vos mains, monsieur Pichon. Bah moi, les mains, présentement, bon bah, c'est sûr, j'ai coquiné avec la rillette tout à l'heure, donc elles sont proprement, voilà, mais... Arrête, Bernard, arrête. C'est moi. Vous seul, monsieur Pichon? Oui, moi seul. On vous écoute. C'était dans une autre vie. Mais ça a bien eu lieu, oui. Bon, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvé avec le Yann qui voulait nous régler notre compte. Il avait une dent contre nous. Bon, ça c'est pas trop grave. Bonjour, toi. Salut, papy. Salut. Oh, ben dites donc, on vous avait déjà vu, vous. Eh oui, c'est moi, c'est Gauthier. Bah t'as changé de style depuis. C'est bien, tu t'es... C'était pour la soirée, je suis venu un petit peu en mode... Oh là, bah qu'est-ce que c'est que ça? Bah qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est fou. Ben ouais, ça va, mais c'est... C'est une tentative d'assassinat, là. J'ai reconnu, c'est le tocard de tout à l'heure, là. Et bon, il y a eu, voilà, on s'est vus tous à la fête foraine, là, vous savez, là, sur le, oui, de la plage. On a discuté et voilà, en gros, MT nous a dit, écoutez, maintenant, vous faites un boulot pour moi et on oublie tout, sinon, ça va mal se passer pour vous deux. Oui. Salut, toi. Comment ça va? Je crois que ça va poser problème en fait. Je crois qu'il va y avoir un problème majeur. Œil pour œil, dent pour dent, chien pour chien. C'est ça que ça se passe dans le monde. Parce que moi j'ai envie de te dire quand même quelque chose d'important, c'est que là en fait, tu as essayé de me tuer après. Donc je pense qu'il y a déjà le dent pour dent, non? Non, il n'y a pas de dent pour dent. Je vais me rendre mes 2000 balles maintenant. Et toi le vieux, tu me donnes ta canne. Ah non, bah comment je me tiens debout alors? Donne ta canne ou alors je te bute? Mais quand même Darryl, tu vas perdre 3 mois. Donne ta canne ou bien je te bute? Bah c'est la meilleure ça. Bon, pourquoi vous savez quoi? Regardez, je vais vous donner une putain de mission les gars. Alors, je vous laisse deux options. Ouais. J'aimerais bien soit une caisse de Vagos, ok, soit une caisse de flic. Mais par contre, vous travaillez ensemble. Bah ouais. Voilà. Ah avec, tu veux dire, nous trois, ouais. Ouais, le chien, vous pouvez le prendre si vous voulez, mais donc du coup, vous 5. Nous 5? Donc avec Lucie, c'est ça? Travaille solo, c'est bon, vas-y. Non, vous allez apprendre à cohabiter. Mais oui, on travaille ensemble, Yann, t'as pas compris ensemble, vous allez voir, vous allez être efficace. Toi et moi, on travaille ensemble. Moi, je suis pas contre, mais faut qu'il enterre la hache de guerre, le petit. Hein? T'es capable de faire ça pour l'instant? C'est bon, vas-y. Avec le sourire, hein? Et bref, du coup, j'ai pris le camion de Bernard et je suis allé avec Yann et on devait aller faire de la reconnaissance en territoire Vagos. C'est mon camion, ça. Non, il est super, tu verras, il y a de la place pour tout le monde. Bah, papy, tu conduis? C'est toi qui... Bah, bien sûr que c'est moi qui conduis, attends. Tiens, je t'ai ouvert à l'arrière, tu peux monter. Ouais, les Vagos, on vous encule. Ouais, on vous encule, les Vagos, vous êtes où? Vous êtes où? Une voiture à droite, là. C'est jaune. C'est jaune, vas-y, je descends. Et il se trouve que Yann a fait un état dans le camion, pendant qu'il était dans le coffre. Hé, Yann, réponds-moi. Et j'ai pris peur, je sais pas ce qui m'a pris. Je sentais que c'était quelqu'un d'instable qui allait nous poser des problèmes à moi et ma famille, et j'ai jeté le camion dans les docks. Monsieur Pichon, vieux, vous allez être incarcéré à la prison, monsieur Pichon, pour homicide involontaire, je dirais, mais enfin, non. Oui. Volontaire, mais sans préméditation. Non, on était sur de l'involontaire, messieurs, il a fait un coma dans le véhicule et c'était involontaire. Vous voulez peut-être l'accompagner, monsieur Pichon, moins vieux. Et perdre vos fêtes et vos fesses. C'est bon. Quelque chose à ajouter, monsieur Pichon? Non. Bien. Emmenez-moi. Quelque chose à dire à votre frère cousin, je sais pas qui c'est. GG. S'il se passe GG là maintenant, présentement, GG. Ça ira. Ça va t'y aller, mais... On reste en contact, on pourra se parler. Ok, d'accord GG, mais t'es-tu sûr? Parce que... T'es-tu sûr? Ouais. Négatif, j'ai pas de numéro. Allez-y là, qu'on en finisse. Allez. Chez. Bernard, je vous laisse remonter. Je raccompagne monsieur Bernard. Venez monsieur Bernard. Venez, je vous laisse poser vos affaires, gardez votre canne. Je installez-vous. Monsieur Kuk, qu'est-ce qui va-t-il arriver à GG? Mais il a rien fait, non? Mais comment ça Il va en prison, GG, là, mais on s'est dit... Pourquoi? C'est pas lui, non? Mais parce qu'il a avoué qu'il avait tué Yann dans ce camion de bon Dieu de bordel de merde. T'es tout bon? Ouais, je suis prêt, on peut y aller. Je vous suis. Monsieur Kuk, franchement, vous allez y mettre combien, mon frère, là? À votre avis, monsieur Pichon? Je ne sais pas, monsieur Kuk, justement, c'est pour ça que je vous demande, prestement. Un an. Un an, c'est bien. Du coup, il fait de la prison, et en même temps, bah... Attends, c'est pas trop de prison, quoi. Vas-y, donne-moi la vraie peine. Je pense qu'on est sur de la prison à perpétuité, messieurs. Mais pour de l'involontaire, mais c'est-il pas... Qu'est-ce que c'est que cette justice? Non, monsieur Pichon, vous l'avez entendu de ses propres mots. Mais oui, mais il a dit involontaire, la brioche. De sa propre bouche. Il a dit involontaire, je témoin, il a dit involontaire. Même le maire était là. Devant involontaire, il y avait quoi, monsieur Pichon? Bah... Il y avait homicide. Il y avait homicide, mais involontaire. Monsieur Kuk, c'était involontaire, monsieur Kuk. Monsieur Kuk, c'était involontaire! S'il vous plaît, vous pouvez sortir. C'était involontaire, monsieur Kuk! Ok. Tout ce que vous avez fait. Ils à côté des Vagos, ils ont rien fait, hein. Je l'accueille. Attendez ici, puisque du coup, on va faire un coup de tout le monde. Attention, le Yash. Vous inquiétez pas que je vous le dis, dans une demi-heure, vous avez 2 ou 3 personnes de Vagos qui vont en prison pour ça. Je crois qu'il y a des trucs que tu ne nous dis pas, là. Non, y a pas de je suis fatigué, qu'est-ce que t'as fait? Je suis fatigué, je suis vieux, j'ai mal au dos là. Quand même. Non mais t'avais une mission. Et moi la dernière fois que tu m'as parlé, tu m'as dit je suis au truc des Vagos et il y a des morts. Alors va falloir que tu m'expliques un petit peu parce que là j'ai dû sauter des étapes. Yann est mort. Mais quoi? Non. Je l'ai tué. Mais t'as pas fait ça, vain Dieu. Mais tu te rends compte que l'autre va nous faire le cul maintenant? Mais il a pas à savoir. Mais comment ça, il a pas à savoir? Mais bien sûr. Mais il est parti avec nous. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Ben j'espère pour toi qu'il est vraiment mort parce que sinon t'es vraiment dans la merde. Hein. Je le jure sur la tête de notre sainte mère que putain bon Dieu t'as de la chance d'être mon frère parce que je te fumerai avec mon désir rigole que j'ai dans la pince. Il y a un autre problème. Mais comment ça il y a un autre problème? Mais on t'a laissé pendant 20 minutes et tu nous sors que des problèmes. Non mais c'est un détail. Arrête. Non mais ça c'est un détail. C'est que... J'ai aimé ça. Comment ça? Putain, je crois que je me suis... Mais arrête de tirer! Tu as attiré l'attention sur nous! Mais je crois que je me suis découvert à talent. Putain, c'est pas possible. Mais c'est quoi le problème du coup, papy, là? C'est pas possible. Écoutez, moi ce que je veux te dire, c'est que j'ai le sentiment d'être beaucoup plus libre d'un coup, là. De pouvoir faire beaucoup plus de choses. J'ai le sentiment que je peux faire des choses que je pouvais pas avant, maintenant. Il y a eu comme un déclic. Non, il est en prison, mais on dépose une question, mais on a un petit souci, oui. MT, on a un gros problème, MT. Ah, vas-y, explique. Il faut qu'on lance l'opération Apocalypse Now. Ils ont GG, ils l'emmènent en prison. J'ai pas tout compris. Ils ont GG, ils l'emmènent en prison, la police, parce que présentement, ils ont trouvé, tu te rappelles, MT, au début de notre collaboration, tu te rappelles de Yann? Ouais. Bah, Yann, en fait, il... Je te dis ça, MT, mais faut que tu pas que tu te fâches, d'accord, MT? Ouais. MT, en fait, Yann, il a fait un malaise dans le camion et GG, vois-tu, est une personne âgée, il a paniqué et donc il a fait tomber le camion dans l'eau et il a pas pu secourir Yann, vois-tu. Et Yann, il est resté dans le fond de l'océan, vois-tu. Attends, du coup, vous avez foutu Yann sous l'océan? Ben, on l'a foutu sous l'océan parce qu'on a-t-il pas eu le choix, mon petit MT? C'est une blague là, tu te fous de ma gueule. Mais non, mais. Ils sont. Ouais. C'est quoi ton nom, toi? Toi, Pichon. Ouais, c'est moi, ouais. T'es là pour quoi, toi? Je suis là pour longtemps, Pichon. Ah ouais, ça fait 2. Hey. Va falloir qu'on s'entende. Ok, vous allez faire quoi, du coup, là? C'est quoi votre plan? Bah là, MT, je te disais donc, c'est... On fait le projet Apocalypse Now, c'est-à-dire qu'on prend-y des hélicoptères et on va-t-y sauver le GG. Et on partirait-y bien de cette file de fou, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut pas laisser le GG en prison, il va-t-il y mourir? Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi, toi? Il y a le patron qui veut te parler, trouve un endroit tranquille. Il faut que t'envoies quelqu'un spotter la fédérale, mec. D'accord, c'est-à-dire la prison, voire même? Ouais, ouais, faut que tu vois quelqu'un spotter la fédérale. D'accord, pour aller regarder ce qui se passe sur place. D'accord, très bien. Et putain, par contre, ouais, attaquer un convoi, mon frère, c'est chelou. Allô? Bah, c'est Pichon. Oui. Comment vous avez eu ce numéro? Aldo Gonzalez, si vous avez ce téléphone, j'ai ce numéro. D'accord. Bonjour, vous êtes avec le gars que j'ai vu à ce temps-là? Avec celui-là et tant d'autres, le monsieur Pichon. Bernard, Yann. Je sais. Bernard, tu mets Thomas en spot du commissariat dans un véhicule, il suit le convoi. D'accord. Toi, je t'envoie une position. Vous allez là-bas avec voiture, là-bas vous trouverez des camions sûrement. Vous prenez les camions et vous attendez, on vous rejoint. D'accord, présentement, j'appelle tout de suite, j'appelle. Tom, il suit le convoi depuis le poste de police, toi je t'envoie une position. Ok, ça va bien présentement. Monsieur Pichon, oui. La famille Gonzalez a aimé beaucoup votre vie à Los Santos. Ah oui? Ça en fait au moins une? On vous surveille depuis un moment, monsieur Pichon. Alors oui. Je parle pas de l'acquisition de Unicorn, qui aurait pu très certainement servir à autre chose, monsieur Pichon. Mais je pense que vous avez encore des choses à faire, monsieur Pichon. Alors je vais vous offrir une opportunité que seul un homme peut avoir une fois dans sa vie, monsieur Pichon. D'accord, je vous écoute. Je peux vous sortir de prison, monsieur Pichon, et vous donner une nouvelle identité, monsieur Pichon. Mais vous me devrez un service. Et c'est quoi le service? Vous le saurez quand vous aurez accepté ma proposition. Je vous l'appelle dans 5 minutes. C'est quoi, mec? Laisse-moi là, je vais aller prendre un hélico. Bien sûr. Je vais gérer en hélico, ouais. Ok, vas-y. Tu vas prendre... Je t'amène une radio, on va rester en com. Vas-y, vas-y. Putain... Combien... 15 ans, ils m'ont dit. Ils me disaient des... J'ai même pas pu voir mon Jim, ni Bernard avant. Bon. Explique-moi alors. Alors, la stratégie, elle est simple, d'accord? Ici, Jim, ici présent. Jim, vas-y, présente-toi un peu, parce que sinon, on va perdre du temps. Ben, moi, c'est Jim Westwood. Le Clint Eastwood, et moi, c'est le côté ouest. Voilà. Oui. Et Jim, s'il est dans les pattes aujourd'hui, Jim, dis-nous, qu'est-ce que tu nous apportes comme cadeau? Eh ben, moi, j'ai rencontré des mecs un peu plus tôt dans la ville. Il y en a un, il m'a filé un numéro d'un contact. Si vous vouliez, voilà, transférer un petit peu des cargaisons, des trucs comme ça, se faire un petit peu de thunes en plus, bah, apparemment j'ai pris le contact, voilà quoi. Et voilà, donc on est bien d'accord que Jim, tu vois, sous mon expertise avisée, a avancé un petit peu dans notre projet, et grâce à lui, on va pouvoir enfin se développer. Tu comprends, dis mon GG. C'est bon les gars, vous êtes prêts? D'accord, Jim, tu montes dans la voiture. Thomas, tu retournes vite au comico, faut que toi tu suives le convoi. Ah, Jim, je viens de te donner le... Vas-y, Thomas, bouge ton cul, vite. Ouais, mon bel. Liam, c'est lequel point où il y a le camion? C'est le premier ou le deuxième point? Le dernier que je t'ai envoyé qu'un seul point. D'accord, ok, très bien, présente-moi. Là-bas, il y a des camions qui passent. Ok, ça marche, là, tout de suite. Ciao. Ok, c'est bon, je t'envoie, tiens, un point, vite. Je te mets le point. Ouais, bah, je crois que le GG, là, il a pas forcément envie de rester à se geler les miches ici, là. Faut qu'on aille là-bas. Bon, de ce que m'a dit Liam, on va y avoir des camions, d'accord? Donc je disais, oui, il y a quand même des risques qu'on y reste, mais moi, je suis prêt, si donc à faire... Ah! Oui. Alors, monsieur Pichon, c'est oui ou c'est non? Votre service, j'espère que c'est pas quelque chose de complètement démesuré et... Enfin, j'espère que c'est quelque chose qui reste raisonnable. Cela accessible à une personne de votre âge avec une canne. Ah bon? Quelque chose de plutôt cérébral, j'imagine. Peut-être, monsieur Pichon, vous verrez. Bon, moi je veux pas finir mes jours après jour. Monsieur Pichon, oui. Si... D'accord. À partir de ce moment, vous serez un fugitif. Vous serez traqué et recherché toute votre vie, monsieur Pichon. Par contre, je vous fais sortir de prison. Je vous change votre identité. Mais le reste, c'est pour vous, monsieur Pichon. Alors si vous prenez un autre hélicoptère que le mien, qui n'est pas celui qui est en train de survoler la fédérale, le deal est off, monsieur Pichon. C'est vous qui vous êtes juste au-dessus, là? Ce n'est pas moi, monsieur Pichon. Faites-le votre choix. Je vous rappelle. Moi c'est bon. Hein. C'est pas pour courir toute ma vie que je vais me faire sauver. Hein. Parce que je les entends déjà, ils vont me dire bah ouais on t'a sauvé. Eh bah ouais et maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec un meurtrier et vous le faites échapper. Et alors maintenant? Hors de question de les mêler à ça. Oui. Alors, monsieur Pichon, donc, vous êtes prêt à vivre la vie d'un fugitif ad vitam aeternam, monsieur Pichon? Non, mais moi, c'est oui. Écoutez, je veux changer d'identité. J'en ai marre de ces conneries, là. Très bien, monsieur Pichon. Est-ce que vous connaissez l'hélicoptère de modèle Buzzard? Très bien. Ouais, je vois ce que c'est, oui. Vous ne montez que dans cet hélicoptère, pas un autre. On est d'accord, monsieur Pichon? Je vous rappelle, préparez-vous, mettez-vous dans la cour. Très bien, merci. Monsieur Gonzalez, il a dit... Moi, c'est fini de mettre tout le monde dans la merde. Là, tant que c'était du braquage et des petites condamnations, je savais, mais là s'ils commencent à vouloir sauver... Enfin, avec ce qu'ils m'ont foutu sur la... Et puis merde, c'est bon, ils m'ont tous emmerdé, là. Avec leur Lucie, avec leurs problèmes et tout, ils m'ont tous emmerdé. C'est lui. Allez. Allez. Allez, putain, vite. C'est bon, je suis là. Calmez les yeux. Oh putain. Merci, on va où? Là où je vous emmène, monsieur Pichon, vous trouverez un homme qui pourra faire ce que vous devez faire pour changer d'identité. À partir de ce moment-là, je vous recontacterai. Gardez le téléphone. D'accord. Vous ne m'avez jamais vu, vous ne m'avez jamais entendu. Si vous avez la police sur vous, vous jetez le téléphone à la carte SIM. Est-ce que c'est bien clair, monsieur Pichon? C'est clair, oui. C'est bien clair. N'appelez pas vos anciens ennemis, n'appelez pas vos anciens ennemis, n'appelez pas votre petit ami, n'appelez personne. Vous êtes seul, monsieur Pichon, à partir de maintenant. D'accord. Et monsieur Pichon, oui. Si vous vous faites attraper, le service sera toujours dû. Est-ce que c'est bien clair, monsieur Pichon? C'est clair, oui, je fais attention. Je vais déposer dans un garage, monsieur Pichon. Vous rentrez, vous restez enfermé pour l'instant. D'accord. J'attends votre appel. Vous attendez dans le garage. D'accord, d'accord. De votre gauche, monsieur Pichon. Enfin, en face de vous. Très bien, très bien. Merci. Out, on dirait. Par contre, ils vont manquer, eux. Ils vont manquer les petits. Salut, c'est toi, gars? Bonjour. C'est toi, le gars? Ouais, j'imagine. Donne tes papiers d'identité, je vais m'en occuper. Ah, comment je te fais ça? Hop. Je les montre? Ouais, Pichon, c'est ça? Ouais, Gérard, ouais. Ouais. Bah, on va faire un truc mieux que ça, gars, t'inquiète. Allez, tu peux dormir là, je m'occupe de tout. Ok.